Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux sociaux de Web Girondin TV. Bienvenue aux supporters, supportrices des Girondins et aux fans de foot. Bienvenue dans l'émission qui essaye d'analyser l'actualité des Marinés Blancs. Et elle est riche, cette actualité. J'espère que vous avez passé un très bon lundi. Moi, je suis content d'être avec vous. Je suis ravi. Je vous présente l'équipe autour du micro qui va se compléter au fil des minutes. Il est là, monsieur Jonathan D'Agostino. Salut, Jo. Salut, bonsoir à tous. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. Il a fait un peu plus frais aujourd'hui que les derniers jours, donc ça faisait un petit peu du bien cette petite fraîcheur parce que ça commençait à être un petit peu compliqué cette chaleur. Hein, du coup, donc ça fait du bien, un peu de frais. Voilà. La tension, la chaleur est redescendue au propre comme au figuré à Bordeaux. Tout à fait. Peut-être qu'ils sont en feu, peut-être au château, on ne sait pas. Au sens figuré, bien sûr. Pour préparer la DNCG, mais bon, on va en parler tout à l'heure. Il est là, il a un magnifique suite. C'est monsieur Gino Forte. Salut Gino. Salut, salut à tous. Comment vas-tu Gino? Moi, je vais être honnête, ça a été très compliqué hier, notamment à vivre et à plus nous imaginer, mais à se dire que la Ligue 2, elle est là, c'est concret, et se dire qu'on est à ce niveau-là, j'arrive toujours pas à y croire. Et il y a une partie de moi qui veut même pas encore l'admettre. Donc c'est très très complexe comme situation et je pensais pas vivre ça et notamment dans ce moment qu'on a maintenant quoi. Et c'est vrai que c'est pas simple. Et oui, c'est officiel, Bordeaux en Ligue 2, c'est historique ce qu'on est en train de vivre. Moi, c'est depuis que première fois de ma vie que je vis ça, une rétrogradation sportive. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, on est ensemble et on va essayer d'analyser ce soir les enseignements de la saison. Donc on va regarder le sommaire dans quelques instants. Samuel Vasselin va nous retrouver dans quelques instants. Lassine Abiabaté sera avec nous, lui, à partir de 20h. Et à 19h45, on aura également Cédric Socio de la première heure de Web Girondin. Eh bien, messieurs, il est là, il arrive. C'est monsieur Samuel Vasselin qui est là. Salut Samuel, bienvenue à toi. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Salut Sam. Ça va, ça va. Bon. Moi, j'ai contrairement à Gino, moi, le deuil, il est fait depuis samedi soir dernier. Ça a été très dur dimanche dernier et lundi, mardi. Je le voyais parce que j'étais désagréable au taf. Mais c'était incroyable. Ah, la moindre connerie, j'étais… Enfin, voilà, je dégoupillais. Un peu susceptible, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis alors les collègues qui te saluent et qui te font une mine va te faire voir, voilà. Et maintenant, et puis fallait l'accepter. Et puis de toute façon, je crois que ce qui a sonné glace, c'est qu'à partir du moment où tu te présentes en conférence de presse la veille en disant que c'est fini, tu te dis que t'as bien fait, toi, de te mettre dans la tête que c'était déjà terminé. Et que... ça, c'est sûr que pour eux, tout était terminé. C'est ça, la folle soirée du samedi. La folle soirée du samedi. Moi, j'étais en rédac au Club des 5 pour un peu amuser tout le monde. Je faisais genre, j'y croyais à chaque but. Je disais, allez, on va le faire, allez, machin, etc. Même sur Twitter, j'étais un peu chaud. Mais la réalité, c'est quoi là, je préférais le prendre comme ça parce qu'on l'avait compris il y a une semaine. Quoi. Et on l'a même compris, nous, toute la saison, au fur et à mesure. Saïd Mohamed nous dit sur le chat, Chino fait un feat avec Secta. Non, on va laisser Secta avec sa belle musique qui est très sympathique d'ailleurs. On a beaucoup d'artistes. Il y a des artistes quand même dans la communauté. Des artistes de côté. On,
On en a aussi, on en a aussi sur le terrain, mais enfin pas sur le terrain justement, dans le vestiaire, mais pas sur le terrain. Ouais, non mais c'est... le tube de Secta est vraiment sympa, donc on... il vaut mieux le laisser un peu éclore. Exactement, exactement. On va le laisser beaucoup... d'ailleurs. D'ailleurs, on le repassera. J'ai beaucoup chanté, hein. J'ai beaucoup chanté ta chanson de Gino ce week-end devant le match. Oui, on me l'a dit, ouais, que c'était resté pas mal en tête. On en parlait, mais bon, on espère qu'elle va vite s'effacer cette chanson. À chaque égalisation brestoise. Ça venait tout seul. Alors, messieurs, on est diffusé en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook et sur webgirondin.com, bien sûr. Venez vous abonner à la chaîne YouTube. 8480 abonnés, 8500 bientôt. Et si vous êtes 20, là, si vous nous regardez en replay ou en direct, abonnez-vous qu'on aille aux 8500, ça fait un compte-rond. Et... il y avait la vérité si je mens hier soir à la télé. Ça... regardez, alors moi, ça fait des années que je ne regarde plus les films à la télé. Quoi, ou alors, c'est moi qui l'ai choisi. Mais... excuse-moi. Non, moi, je regarde les matchs déjà... de Bordeaux, donc nous fait... oui. Ne prends pas un air hautain, s'il te plaît. Pardon, je ne voulais pas être hautain. Les seules choses que je regarde en direct à la télé, que je me mets dans ma télé en regardant l'heure, ce sont les matchs de foot. C'est tout. Vous regardez encore, vous, là, les mecs? La télé TF1, tout ça. Si je tombe sur des fois sur MyCanal, t'as toutes les chaînes, donc des fois tu parcours en cherchant là, quelque chose et tu tombes sur une connerie. C'est intéressant. Et c'est vrai que les pubs. On va recentrer le débat, les gars, sur les gens. Les pubs, allez. On peut parler d'autre chose, s'il vous plaît, quand même. Oui, allez. 8480, abonnez-vous, 221 sociaux. Merci à toutes et tous. Je salue les nouveaux sociaux. Chef Romain qui est à Toronto, Hervé, Dudu, l'Asiate, Clément et Christian qui sont venus. Chef Romain nous fera un coucou la semaine prochaine depuis Toronto. On fait gagner le maillot domicile des Girondins de Bordeaux, quelle que soit la division dans laquelle sont les Girondins. On l'a dit. Hein. J'espère que ce sera un maillot Ligue 2. Il n'y a pas de raison. Pas de raison que ce soit pas Ligue 2. Donc, on fera gagner ça à un socio. Tirage au sort le 13 juin. Est-ce que j'ai tout dit? On passera le titre de Secta après. Ouais, Joe, vas-y. Il faut juste pour finir de parler hors football, il y en a qui demandent où est passée la barbe de Dino sur le chat. Ah, alors, c'est vrai. Vite, vous inquiétez pas. Va vite revenir. Et ça va bien comme ça. La descente, en fait, c'était ton pari, c'était ses visiteurs. Non, en fait. Non, ouais. Non, j'ai pas fait de pari. Hein. Non, ouais. Regardez comme il est beau. Non, mais tu vois, il a rasé, mais il a gardé l'effet 2-3 jours, là. Oui. Non, mais quand il rase comme ça, c'est là où il rase le plus blanc possible. Il peut pas raser plus. Hein. Pardon, bon, allez, j'arrête. Je suis content de vous retrouver, donc j'ai envie de plaisanter. Oui, rigolons un peu. De toute façon, ouais, ça nous arrive à être drôle. Il ne reste plus que ça. Il nous reste plus que ça. Alors, le sommaire, messieurs. Descente en Ligue 2, vos enseignements de la saison. Première partie. Deuxième partie, 20h, on aura M. Lassina Diabaté qui sera avec nous. Et on fera un point sur sa vision de la saison, la situation des Girondins de Bordeaux. Troisième partie, réaction au communiqué de Gérard Lopez, le président et propriétaire des Girondins, qui a sorti un communiqué après le match, avant, après, pendant le match. Et enfin, en vrac, on parlera des séances à venir, du mercato, etc. De toutes les petites infos qu'on peut vous donner et sur lesquelles on peut rebondir. Est-ce que ça vous convient, messieurs? Ouais, très bien. Parfait. C'est impeccable. Allez. On va s'éclater en première partie. Eh bien, écoute, on va faire les enseignements. Est-ce que tu veux... qui c'est qui commence? Qui c'est qui veut commencer? C'est comme à l'école, c'est qui commence? Bon, personne. Comme à l'école, on te dira jamais. Voilà. Non, mais j'en sais rien. On est tellement motivé par les enseignements, Nico, de cette Non, c'est les enseignements que... de la saison. C'est la première fois qu'on va pas faire un bilan. Alors, franchement, le bilan, moi, je me suis dit, on va répéter tout ce qu'on a dit toute la saison. Ça va être... Et les enseignements, c'est plus... Tu vois, c'est un peu plus subtil. Allez, Gino, on commence par toi. C'est parti. Quels sont tes enseignements sur cette saison des Girondins de Bordeaux? Ben déjà, le premier pour moi, c'est le nouvel élan qu'on a voulu donner et qui n'a pas réussi du tout, avec la fin du Club Med notamment, qu'on nous avait promis. Il faut se rappeler un peu du début de saison, avec bien qu'avec une arrivée tardive de la direction, un top 10 annoncé. Petkovic, donc, qui arrive aux Girondins de Bordeaux, qui ne connaît pas vraiment le contexte, et des gens qu'on va remettre concrètement au travail, avec un Admar qui maîtrise son schéma, mais qui ne prend pas en compte les spécificités de l'équipe et du club,
et qui ne sait pas appréhender son nouveau rôle. Donc pour moi, ça a été déjà une des grosses difficultés qu'on a eues, c'est le fait d'avoir un nouvel élan qui n'a pas du tout fonctionné dès le départ. Et on va bien le voir puisque l'équipe ne va pas décoller et ça va nous suivre tout au long de la saison. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une meilleure place que la 16e place et on va bien voir que sportivement, on ne va rien changer à tout ça. Et ça m'amène au deuxième point. Là où rien n'a changé, et pire, cela s'est détérioré, c'est le terrain. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut s'attendre quand même à avoir de meilleures dispositions, notamment un plan de jeu ou un fond de jeu différent, et ça n'a pas du tout été le cas, avec des recrues qui sont à la peine, des cadres absents, une mayonnaise qui ne prend pas du tout, et l'impression que cette équipe peut prendre des buts à l'appel, ce qu'elle va faire. Et autant étant au stade, on a l'impression que l'adversaire sait qu'elle peut mettre un but à cette équipe à tout moment. Et ça, c'est quand même assez dramatique dans notre façon de défendre ensemble. Et on va voir qu'il va y avoir des points qui ne seront pas changés tout au long de la saison, notamment les arrières latéraux qui ne feront pas partie du super mercato d'Admar Lopez, qui ne pointera pas ces postes-là comme des postes à changer. Donc, il n'y aura pas de recrue. Et une stabilité défensive qui ne sera jamais de mise avec des charnières qui vont changer, sans parler du fait d'avoir mis Koscielny sur la touche. Le troisième point pour moi, il sera plus sur le décideur de tous ces actes. Et le principal fautif pour moi, c'est le talentueux, je l'ai appelé Monsieur Lopez. Pourquoi talentueux? Pour une fois, je vais lui donner plutôt un compliment. C'est qu'il a eu une communication habile, très fine, qui a fait qu'il a gagné du temps. Il a gagné du temps sur le public, sur les supporters, sur les médias qui ont été plutôt conciliants avec lui alors que le classement n'était pas bon. Et au-delà de ça, on voyait bien qu'il y avait des grandes difficultés qui arrivaient. Et grâce à ça, on a pu voir qu'il n'y avait pas de révolte ou de révolution, que ce soit bien au club, mais aussi au niveau des supporters. Mais je pense que ça s'est retourné aussi contre ce monsieur Lopez qui a été habile. Et finalement, on a bien vu que cette non-pression et le fait d'être très tardif dans le fait de faire des choix, notamment le changement d'entraîneur, notamment de dire « soyons tous unis ». L'unité, pour moi, ça ne se décrète pas. Hein. Ce n'est pas comme ça, on va être unis tout d'un coup. Et donc, ça fait que ça s'est retourné contre ce monsieur Lopez qui nous a amené, pour moi, un peu au gouffre toute cette année. Donc, premier renseignement, c'était le contexte qui n'était pas facile. Quand il est arrivé, voilà, le nouvel élan qui a été nouvel élan qui n'a pas pris du tout. Mmh. Le terrain ensuite le avec terrain qui n'a pas des échecs, qui n'a pas changé, que ce soit les cadres, les recrues, voilà. Que ça s'est détérioré par rapport à l'année dernière. Et troisième point, c'est la personnalité de Gérard Lopez et comment la communication a été faite tout au long de cette saison pour le club. Et a finalement a porté tort au club. Exactement. Merci Gino. Monsieur, regarde Samuel pour la fin parce qu'il est bouillant. Monsieur Jonathan D'Agostino. Je suis calme. Qu'est-ce que tu es calme, oui, je sais. Pensez à liker, hein, à partager cette vidéo. Joe, qu'est-ce que tu retiens sur la saison? Enseignement très soft de Gino, mais on va rentrer dans le détail aussi avant que la signe arrive. Ouais. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Gino. Moi, après, je vais peut-être le dire avec mes mots, mais de manière peut-être un peu plus percutante. Moi, dans ce marasme déjà de cette saison, pour moi, il y a eu deux phases, en fait, cette saison. Il y a eu la phase aller, où c'était un petit peu basé sur la mollesse de l'inaction et l'aveuglement un petit peu de tout le monde. C'est-à-dire, je pense que la fierté de notre glorieux passé nous empêchait de voir qu'on n'allait pas dans le bon sens et que la Ligue 2 était un véritable risque, pour moi, dès le début de la saison. Il y avait toujours une excuse. C'était la préparation était trop tardive, ça va venir avec le temps, ça va pas être facile, mais comme il y a plus mauvais que nous, ça va le faire. C'est un peu comme quand tu mets une grenouille en fait dans une casserole, que tu fais bouillir l'eau lentement, la grenouille ne se rend pas compte en fait qu'elle est en danger, du coup elle ne sort pas de l'eau, du coup elle meurt. C'est un peu ce qui nous est arrivé, moi je pense, cette saison clairement. J'ai pas le souvenir d'une véritable catastrophe en première partie de saison, en tout cas sur la phase aller. Moi j'ai seulement le souvenir de voir une stagnation du niveau des joueurs et des problèmes. Sauf au mois de décembre en plus où on a vu un peu de meilleur avec des résultats et des matchs et des continus de matchs qui étaient un peu plus intéressants que ce qu'on avait vu depuis le début de la saison. Puis là arrive justement pour moi la deuxième phase de notre descente, la phase retour, et avec le premier événement pour moi où on a senti vraiment le réel danger pour ce club,
c'est la défaite contre Marseille et la gestion de cet événement-là. Le dernier bastion, entre guillemets, qui nous rattachait justement à ce glorieux passé, qui pour beaucoup faisait penser que ce club courait aucun risque, c'est le moment où tu as l'impression que tout s'est effondré. La supercherie a commencé à sauter aux yeux parce que la panique a engendré une mauvaise gestion du seul vrai événement de la saison qui a été une véritable catastrophe pour tout le monde. On se rend quand même bien compte que la gestion des joueurs a été catastrophique, notamment dû au contexte Covid, où on sait que les joueurs, on a appris après avec le temps que les joueurs étaient sortis, faisaient la fête, etc. et tout, dans un moment où il y avait beaucoup de cas de Covid un petit peu partout. Donc, en gros, les joueurs faisaient un petit peu ce qui leur plaisait et ce qui leur chante, de ce qu'on a compris. D'ailleurs, ça tombe bien, à ce moment-là, les joueurs deviennent quand même les principaux fautifs de cette défaite notamment, et de tous les problèmes du coup des Girondins à partir de ce match-là. En particulier deux hommes, pour moi, que je retiens, c'est Koscielny, qui coûte cher et qui joue peu, qui rate en plus ce match important parce qu'il était blessé dans mes souvenirs, et Costil. Oui, il était en tribune. Il était en tribune, et c'est Costil qui a en plus la bonne idée à ce moment-là, du coup, pour ses détracteurs, d'être l'auteur de la relance ratée qui nous coûte le match. Mais on voit une direction qui se ramasse totalement dès les premiers vrais problèmes aux Girondins de Bordeaux, les premiers problèmes visibles de ce club. Déjà, en envoyant un médecin du club en conférence de presse pour expliquer les risques pour les joueurs de jouer un match avec le Covid, etc. et tout, ainsi que le représentant principal du groupe des supporters des Girondins devant les médias pour défendre les intérêts du club. C'est la première fois que j'ai vu ça de la part d'un club en termes de communication. Déjà, à ce moment-là, ça a été une véritable catastrophe. À partir de ce moment-là, moi, j'ai vu une descente infernale vers la chute et une accumulation de défaites gênantes et très importantes, sur des moments très importants. Avec une cascade de mauvais choix et de matchs ratés, comme je l'ai dit, on peut parler du mercato d'hiver, notamment, qui a créé une cassure définitive dans le club, notamment pour les joueurs. Des compos d'équipe faites par on ne sait qui n'ont jamais été comprises par les observateurs du club, et les observateurs quand même très, 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 très assidus du club. Des joueurs critiqués aussi à juste titre pour la majorité à ce moment-là, qu'on observe avec tristesse et énervement sur le terrain, perdus, sans envie, ne comprenant pas parfois ce qu'ils font là et ce qui se passe pour eux, et même, je dirais, ridicule parce qu'ils sont faits toujours griller par leurs adversaires à chaque match à ce moment-là, comme des chipolatas que tu as sur une plancha l'été sur un barbecue, tout ce que tu veux, mais à ce moment-là, les joueurs étaient... Tu vas nous donner faim, là, François. Ouais, mais ils étaient ridicules, en tout cas. Moi, ça m'a coupé l'appétit, justement, quand je regardais les matchs. Là, j'ai un peu plus faim, du coup, parce que la saison est terminée. Mais à ce moment-là, moi, personnellement, pour moi, les joueurs étaient complètement ridicules sur le terrain, à partir de ce moment-là. On a eu, en plus, deux coachs, quand même, sur la saison, deux coachs qu'on a l'impression qu'ils étaient lâchés de tous, impuissants, sans levier, sans idée, et ne maîtrisant strictement rien. Des supporters réagissant un peu trop tardivement, de la mauvaise manière en plus lors du match contre Montpellier, où on voit un supporter quand même qui est à deux droits de s'en prendre physiquement à un de ses joueurs, sans parler après du traitement psychologique qui a été réservé à ce joueur-là justement. Et comme j'ai dit, et j'insiste, une direction qui s'est cachée en plus derrière les joueurs. En plus, chose que je n'avais jamais vue avant dans un club en danger comme ça, j'ai l'impression que la direction, comme l'a dit Gino, n'ont jamais été interpellée ni même critiquée par ses propres supporters. Alors qu'ils ont été complètement incompétents, inhumains, pour certaines situations, et en plus ils ont voulu nous faire croire que cette équipe pouvait viser le top 10 même après le mercato d'hiver, donc ils sont quand même bien foutus de nous quand même pendant une bonne partie de la saison, enfin sur toute la saison pour moi. Après, de toute façon, vu qu'on a battu tous les records de nullité sur le terrain, ça veut aussi dire qu'on a battu tous les records d'incompétence et d'erreur à tous les niveaux et les strates de ce club, car on sait bien que ce qu'on voit sur le terrain, on le dit souvent, c'est le résultat du travail du club et du contexte qu'il y a autour du club. Quand tu n'as pas de réel préparateur physique, pas de coach de gardien en début de saison, ou en tout cas pas de coach compétent en tout cas, deux coachs principaux perdus sans staff compétent pour les aider, un président absent qui fait que vendre aux médias que les joueurs sont les seuls fautifs, alors surtout quand il dit qu'il a recruté des joueurs, il a l'impression que c'est leurs frères qui sont venus, etc. C'est quand même des choses, moi, qui, en tant que joueur, je l'aurais très très mal vécu, sincèrement. Et Il faut le dire aussi, des joueurs qui n'ont pas le niveau et l'investissement nécessaire pour la Ligue 1, et en plus couper des salariés du club, des médias locaux et des entraînements qui sont pratiquement toujours à huis clos ou ayant, donc qui n'ont pas conscience de tout ce qui se passe, j'ai l'impression, à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'autre qu'une 20e place et une relégation? Quand on fait le bilan de la saison ou les enseignements de la saison, je pense pas grand-chose. En gros, moi cette saison, hein, mon enseignement surtout, c'est que j'ai vu dans le club que j'aime tant, tout ce que je déteste dans le foot cette saison. Personnellement, je me sens trahi,
je l'ai déjà dit, car des gens bien pensants et vendeurs de rêves ont voulu nous faire croire qu'ils avaient les compétences pour gérer ce club et pour pouvoir faire en sorte que ce club aille mieux. J'ai honte, en plus, car on a battu tous les records que personne ne veut battre et que tout le monde se fout de nous à l'heure actuelle. Et en plus de ça, j'ai peur, car je ne sais pas vraiment ce que sera l'avenir de ce club-là à l'heure actuelle. Et pourtant, moi, le scapulaire, pour moi, c'est toujours un sentiment particulier, un sentiment d'amour et d'émotion quand j'en parle, il n'y a aucun problème. Maintenant, à l'heure actuelle, mon enseignement principal, c'est tant que la compagnie Lopez, appuyée par ses influenceurs, seront là, il ne se passera rien de bon pour moi dans ce club, au contraire. À l'heure actuelle, avec eux que j'ai en image auprès de, en tant que dirigeant du club, je ne peux pas et je ne pourrai pas regarder ce club en pensant qu'il représente les valeurs humaines de cohésion et d'envie de bien faire dans l'intérêt de la communauté girondine. Pour moi, ce sont des choses qui comptent énormément dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le sport. C'est pour ça que je suis très très inquiet pour l'avenir de ce club. C'est mon principal enseignement, c'est que j'ai l'impression qu'on a creusé beaucoup plus bas que ce qu'on avait imaginé depuis au début de la saison, même pour moi, qui était quand même très défaitiste très tôt dans la saison. Voilà. Merci Joe, c'était complet. Monsieur Samuel Vasselin, on t'écoute, tes enseignements de la saison. Ouais, je vais essayer d'être, parce que je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit et je partage beaucoup de sentiments, que ce soit de déception ou même parfois de honte, pour certaines aussi, on va pas dire erreurs, mais mauvaise interprétation et analyse de certaines choses qu'on aurait pu voir plus tôt. Je suis assez d'accord avec ça sur Joe. Si je dois vraiment tirer trois enseignements comme on le fait traditionnellement, mais cette fois-ci sur une saison, le premier c'est une catastrophe, parce que c'est l'impensable est bel et bien arrivé, quoi, finalement. Voir les Girondins de Bordeaux, moi qui ai 26 ans, voir ce club en Ligue 2, pour moi, c'était de la science-fiction. C'est bien arrivé, c'est une catastrophe qui est sportive, mais qui est totale surtout, parce que encore pire que la descente, ça a été, et ça vient d'être dit par Joe, le record, on va dire, d'absurdité, de ridicule que cette équipe a battu, en battant justement beaucoup de records qu'on aurait aimé éviter, en évitant d'être chaque semaine le paillasson de la Ligue 1, en évitant chaque semaine d'ignorer tous les signes du destin que ce championnat nous a fait. Et c'est une équipe qui a encore pour moi montré ce week-end qu'elle est principalement responsable à tous les niveaux de sa descente cette année, un effectif, une équipe, parce qu'elle l'a montré encore ce week-end. Il y avait beaucoup mieux, même si on est sur une dernière journée et que c'est facile de tirer des constats à un match comme ça, mais il y avait beaucoup mieux à faire pour Bordeaux cette année. Et Bordeaux ne l'a pas fait. Deuxième enseignement, c'est le sabotage, parce que pour qu'il y ait une catastrophe, il faut qu'il y ait un sabotage sportif, déjà avec des choix catastrophiques en coach, même si je reconnais que moi, au moment de leur arrivée, je ne trouvais pas l'idée forcément mauvaise, mais force est de constater que l'idée Petkovic, c'était uniquement, avec un peu de recul, un choix un peu provoque, on va le dire comme ça, par rapport à ce qui s'était passé l'été dernier, avec pas vraiment de plan de jeu mis en place, avec beaucoup de volonté de faire du psychologique, ce qui pour moi n'avait aucun intérêt avec un groupe qui devait avant tout reprendre du plaisir à jouer au foot, et ça passait par le terrain avant de passer par les têtes. Des mercatos qui ont été très fournis, hein, dans ce sabotage sportif où on a fait la politique de la quantité à la place de la qualité. On a renforcé avec plein de joueurs, mais au final peu ont été des renforts, peu de joueurs qualitatifs et beaucoup de mauvaises pioches qui ont en plus coûté la place à certains de nos jeunes. Je trouve que la gestion des jeunes de Bordeaux cette année a été catastrophique. On a sous-utilisé nos talents. Je pense à un joueur comme Sissoko qui a fait les premiers matchs de la saison, qui a été plutôt intéressant, qui s'est blessé. Une fois qu'il est revenu, rideau, on lui a rien pardonné, y compris un carton rouge à Rennes assez sévère à la 21e journée. Un Sekou Mara qui a prouvé statistiquement et humainement qu'il était beaucoup plus important que beaucoup de joueurs dans cet effectif. 6 buts en 1000 minutes cette année pour Sekou Mara. C'est quand même pas mal.
C'est quand même pas mal pour ce petit gamin quand on sait que nos attaquants, à part Wang et Ellis, ont mis 2-3 buts, la plupart en fin de saison, sur des matchs, sur des matchs un peu couperés. Voilà, lui, pour le coup, a réussi à marquer aussi 6 buts, à être plus décisif. On ne l'a pas fait jouer. Un Lacou, qui a été un joueur valeureux et qui avait de quoi pouvoir apporter un petit peu dans cette équipe et qui, au final, a été surestimé en le plaçant dans un poste de piston qui n'est absolument pas en adéquation avec ses qualités. Une idée d'ailleurs qu'on avait jetée en l'air ici, nous, presque pour rigoler, et qui, je ne sais pas comment, a atterri dans l'oreille de David Guillon et il en a pensé que c'était une bonne idée. Et puis, je pense aussi à Poussin, parce que Poussin, aujourd'hui, il a été jeté dans la fosse au Lyon. Il y a beaucoup de choses à dire sur sa saison. J'ai été d'ailleurs très très dur avec lui, moi, au fil des semaines, mais je cautionne pas non plus la manière dont on l'a jeté sur le devant de la scène, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour en parler. Sabotage, pour rester dans le sabotage, je vais être un peu long sur le sabotage, mais il y a tellement de sabotage interne, parce qu'il y a un sabotage du projet, ça a été dit par mes deux amis, mais Gérard Lopez avait quand même tout pour pouvoir faire une saison un peu tranquille, une fameuse saison de transition, avec un discours assez édulcoré et réaliste. Il est arrivé en étant assez provoque, en convoquant tous les journalistes locaux pour leur faire le show-off, pour les impressionner, en essayant rapidement de prendre avec lui toute la ferveur populaire pour pouvoir s'en servir pour, comme le disait Joe, se protéger. Au final, il a fait une saison catastrophique en termes de choix, en termes de stratégie sportive, en termes de stratégie de communication, en termes de stratégie administrative, parce que son histoire de je suis président actionnaire entraîneur, ça ne marche pas, ça marche que dans les dictatures. Donc je comprends pas l'intérêt d'avoir voulu avoir la main mise sur tout et tout le temps, et voilà. Et je trouve que sa communication notamment a fait exploser aujourd'hui un petit peu l'unité du club, la fameuse union sacrée, et la tranquillité aussi qu'on y connaissait à Bordeaux. Et donc forcément, il y a un sabotage aussi qui est collectif, il faut tous se regarder dans un miroir. Bordeaux est plus divisé que jamais aujourd'hui, le club est plus divisé que jamais. Il y a des personnes très impliquées dans la défense de Lopez, qui a créé des personnes qui ont été très impliquées, et ça a créé forcément un espèce de climat de défiance, voire parfois pour moi directement d'invective, au point qu'aujourd'hui j'ai le sentiment qu'il y a un point de non-retour qui a été atteint entre beaucoup de gens qui, en plus, je trouve, se répondent de manière peu intelligente et souvent très véhémente, en se traitant soit de vendus, soit de faux supporters, parce que ce sont que des profils Twitter, etc. Donc, il y aurait beaucoup plus à gagner à tout le monde faire son autocritique et tous repartir de l'avant pour pouvoir avoir un football club des Girondins de Bordeaux qui continue sa route. Et je termine rapide, parce que j'ai été déjà très très long, parce que c'est mon dernier point, c'est le dernier enseignement de la saison, c'est que je suis très inquiet, moi, aujourd'hui, de ce qui va venir de notre club. On est déjà tombé, encore une fois, là où on ne le pensait pas. Donc aujourd'hui, je pense que c'est compliqué de croire qui que ce soit aujourd'hui au club et autour du club, parce que personne ne sait jusqu'où on peut tomber et surtout personne ne sait comment on va se relever. Donc je suis très inquiet par rapport à ça. J'ai envie d'être confiant, parce que je suis toujours confiant quand je pense à mon club de cœur, mais il va falloir vraiment que tout le monde y mette du sien. Eh bien, merci Samuel, merci messieurs pour vos enseignements. C'était très intéressant, je vois qu'on est très nombreux, plus de 600 connectés. N'hésitez pas à liker, à partager. Ce que je vous propose, avant que Lassinia Diabaté nous rejoigne dans quelques minutes, c'est on est hyper en retard. C'est un truc de fou. Mais c'est ma faute. Bilan de la saison, Nico. C'est pas bilan. Bilan, mais c'est normal, j'ai pas du tout anticipé. Si on doit déborder, c'est ce soir. Ouais, il n'y a pas de souci. Et il y a Cédric qui est là, alias Tyrion, qui est un des premiers sociaux qui est là, qui était venu nous voir au carré. Et les gars, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il y a un an ou deux. En décembre. En tout cas, bonsoir Cédric et bienvenue à toi. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, je vais être moins long que Samuel, Gino et toute la famille, ne vous inquiétez pas. Donc, effectivement, c'est la première fois que j'interviens. Donc, un bilan de saison, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais être très. Je vais pas être. La Sina n'est pas encore arrivée, donc tu peux y aller. D'accord. Bah,
Déjà, effectivement, l'année dernière, on s'est retrouvé dans une situation assez catastrophique, puisque à trois journées de la fin, on se demandait si on allait rester en Ligue 1. Et finalement, on a été sauvé par les jeunes. Et puis là, cette année, finalement, on est dedans, ça y est. On est descendu. Et c'est vrai que ça fait tout drôle de se dire que l'année prochaine, ça ne sera pas Paris, ça ne sera pas Lorient, ça ne sera pas Lyon, ça ne sera pas Marseille. Ça va être. Ah si, il y aura Paris. Hein. Des Rodez. Paris FC. Ah oui. Ah oui, mais d'ailleurs, j'irai, hein, puisque je suis à côté. Mais oui, pareil. Bon, effectivement. Charletti. C'est horrible, Charletti. Pareil. Moi, c'est sur ma ligne de tram. Oui. Je suis super content. Oui. Moi, c'est le RERB, donc ça va, c'est pas très loin. Ah. Mais effectivement, oui, non, mais oui, il y aura le Paris FC. D'ailleurs, super le week-end dernier, les matchs de Ligue 2 pour le barrage, c'était vraiment très intéressant et intense. Ça change les Girondins. effectivement, moi, je suis très contrarié parce que le côté cosmopolite, moi, j'ai rien contre ça, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, quand on regarde les recrues qu'on a depuis le début de la saison, personne vient de Ligue 1, à part Marcelo. Donc forcément, ça fait tout drôle parce que la Ligue 1, c'est quand même un championnat très particulier où effectivement, les duels, je dirais le physique, a un rôle très important. C'est très tactique, c'est très fermé. Donc quand on vient de pays où le football est beaucoup plus ouvert, c'est vrai que ça peut poser problème. Je vois encore prendre Sergio qui était annoncé comme un super grand joueur au Portugal, effectivement. Hein. Mais en fait, non. Donc, on peut quand même se poser des questions sur le recrutement et sur qui fait venir ces joueurs-là. Moi, c'est vraiment la question qui me taraude l'esprit. Et ensuite, par rapport aussi à tous ces paris qui ont été faits, à part peut-être deux ou trois joueurs qui, je l'espère, bien entendu, on va voir, parce qu'on a un match de barrage contre la DNCG à jouer, mais c'est vrai qu'il y a deux ou trois joueurs qui pourraient, qui me feraient plaisir, en fait, à faire venir, enfin, qui pourraient peut-être rester au Girondins de Bordeaux. Mais je sais très bien que ça va être très compliqué. Moi, je pense notamment à Eniatenko et aussi à Medodis, qui ont, pour moi, franchement, montré qu'ils avaient envie de jouer. Et ça faisait plaisir d'avoir des guerriers sur le terrain. Mais malheureusement, ils ne sont peut-être pas arrivés au bon moment à Bordeaux, parce que tout ce qui s'est passé du côté sportif et tout ce qu'on a appris ces derniers jours, c'est juste consternant. C'est quand même des professionnels, je veux dire. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut, entre guillemets, être des professionnels, gagner très, très bien sa vie et se dire qu'on fait n'importe quoi à côté. Et tout simplement, ben, ça fait mal à tous les supporters, à tous les gens qui aiment ce club, à tous les salariés de ce club. Et effectivement, ben, moi, il y a 30 ans, j'étais en CM1, donc c'est pour dire, hein, je n'ai pas connu ça. Et ça fait drôle de me dire que l'année prochaine, ils sont en Ligue 2. Voilà. Après, effectivement, j'ai vu une statistique, je me suis amusé à regarder, enfin une statistique assez rapide avant l'émission. Sur les 91 buts encaissés par les Girondins cette saison, il y en a quand même 11 qui ont été pris dans les 10 dernières minutes. Je trouve ça juste hallucinant, 11 buts. Et quand on regarde, ben en fait, on se rend compte que ben, ces 11 buts, tu ne les aurais pas pris. Tu serais peut-être encore en Ligue 1 aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Après, le football, ben, c'est ses aléas. Maintenant, ben, espérons qu'on puisse reconstruire un club sérieux, un club avec une forte identité girondine, parce qu'effectivement, ça a manqué cette année. Moi, personnellement, je ne me suis pas reconnu dans cette équipe. Je me suis pas du tout reconnu là-dedans parce que j'ai toujours été habitué à avoir des joueurs du cru. Même dans les années un peu difficiles, il y avait quand même, je me rappelle encore Pablo Francia, des joueurs comme ça qui étaient vraiment des joueurs du cru. Et là, cette année, ben, il y a un joueur qui m'a vraiment fait plaisir, c'est Sekou Mara. On peut encore y revenir là-dessus. C'est vraiment un joueur formé au Girondins de Bordeaux. Et je me dis que quand tu l'entends dire qu'à la fin de la saison, à la fin donc, du match contre Brest, il dit clairement je suis Girondin et je veux rester, ben, je me dis que. Merde, tu vas pas rester en fait, parce que tu sais très bien que malheureusement, s'il y a une grosse offre, tu partiras. Et c'est ça qui me fait un petit peu. Ça me, voilà, et là, il est réaliste, Cédric, quand il dit ça. Moi, je trouve qu'il est réaliste. Parce que quand tu connais la situation, et sur Sekou Mara, je fais un petit stop. Hein, moi, je sais pas ce que vous en pensez sur Sekou Mara. Moi, je peux vous dire que le garçon, il se pose des questions sur le projet. Il dit qu'il reste, il a envie de rester, mais si le projet n'est pas intéressant, c'est le même que cette année, je pense qu'il ne restera pas. Et si le projet ne pense pas à lui, surtout. Bien sûr. Parce qu'il est là, le souci aussi. C'est qu'il nous dit qu'on ne va pas aller en Ligue 2 et qu'ils vont nous ramener trois mecs de Braga et de Portimonense et nous dire « Ah ben non, c'est eux les titulaires. » Donc, à un moment donné, tu es obligé de te poser la question. Quoi. Mais lui, il se positionne. Et ça, c'est plutôt à souligner. Le gamin, il n'est pas obligé. Il peut dire « Ah, on en parlera plus tard. » Justement, Gino. C'est pas un gamin, c'est un homme, justement. C'est un vrai. Mais, c'est pour moi, il est jeune. Il est quand même assez jeune encore pour l'instant. Non, mais par cet acte-là, ça montre. C'était un mec attaché au club. Et que, voilà, on avait encore quelques joueurs consciencieux dans cette équipe.
C'est dommage de ne pas s'en être servi. Messieurs, notre invité est arrivé. Cédric, je te mets un stop, tu restes avec nous. Comme ça, pas de problème, bien sûr. Et voilà, messieurs, il est là, il s'est connecté. Champion de France 99 avec les Girondins de Bordeaux. Monsieur Lassina Diabaté qui est là. Bonsoir et bienvenue, Lassina. Bonsoir, messieurs. Comment bonsoir. Ça va? Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux pour les puristes, les amateurs de foot comme nous. Vous imaginez qu'on a, à travers la gorge cette descente. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième fois, alors, je vais te tutoyer comme on le fait d'habitude, que tu viens sur Web Girondin. On est ravis de t'avoir avec nous. Pour les plus jeunes d'entre nous, je suis maintenant obligé de faire ça. Je rappelle que la Sina a une carrière de joueur professionnel en France et qu'il a été champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 1998-99 au terme d'une saison exceptionnelle. Lassina, et que tu vis encore sur Bordeaux et tu as ton activité, et depuis tu n'as jamais quitté Bordeaux, c'est ça? Absolument. Comme on le dit souvent, après la retraite sportive, on a plusieurs choix. Moi, j'ai fait le choix à la fois sur deux axes, le monde de l'entreprise et aussi passer mes diplômes d'entraîneur. On ne sait jamais, voilà, je suis sur ces deux axes-là. Et aujourd'hui aussi, j'ai été rappelé par le président Saïd Ndimi, puisque j'étais aussi président du Football Club des Saint-Médard. J'ai mis un terme à mes fonctions par rapport au désaccord que j'avais avec mon co-président. Aujourd'hui, je vais être avec mon ancien coéquipier François Grenet auprès de Saïd Ndimi à la Ligue. La Nouvelle-Aquitaine. D'accord, ah ben, très bien, je ne savais pas. Et quelles vont être vos fonctions à tous les deux? Vous allez faire quoi? François Grenet est déjà vice-président de la Ligue. Je pense que Saïd a fait appel à François pour lui apporter un vent nouveau et essayer d'apporter sa vision du football. François, c'est le régional de l'étape. Je pense qu'il peut servir. C'est quelqu'un que je respecte énormément, qui a passé 3 années, on a passé 3 ou 4 années ensemble dans le même vestiaire. On a les mêmes valeurs. Et moi aussi, je vais l'épauler aussi dans ce service-là et d'apporter effectivement des réflexions nouvelles au football aquitain. Très bien. Bon, mais parfait, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Je ne savais pas que Saïd Ndimi il aimait bien la région, hein, parce que moi, quand il nous arbitrait, c'était le plus dur. Je parle de François Grenet. C'est le régional de l'État. Oui, c'est François Grenet, le régional. Ouais. Voilà. Non, mais. Mais c'est. Lassina, tu as déjà été arbitré par Saïd Ndimi? Ah oui, et je peux vous dire, je n'ai pas gardé un bon souvenir, mais c'est le passé, parce qu'il y a une année, on a joué le dernier match contre Bastia. Oh. C'est pas Saïd. Non. J'ai gardé un très bon souvenir. C'était M. Bessière. Je confonds. Voilà, on va pas en Ligue des Champions. Le dernier match à Bastia où on devrait, en cas de victoire, on passe à la troisième place. Et c'est Lyon qui passait quatrième. On avait eu un arbitrage vraiment, vraiment. Bon, maintenant que je suis plus en activité, j'ai toujours un profond respect pour les arbitres. Il faut les respecter. Mais ça avait été difficile à. Voilà, ce match-là. Bon, Lassina, on va parler des Girondins. Première question, quel est ton regard sur la saison des Girondins et sur ce qui arrive aujourd'hui à Bordeaux? Il faut prendre l'aspect sportif. Si on prend l'aspect sportif, vous êtes tous d'accord avec moi que c'est une saison catastrophique. Voilà, on ne peut pas faire pire que ce qu'on vient de faire là. Mais il faut porter aussi des analyses, et des analyses lucides. Pour quelles raisons on en est arrivé là? Je pense que c'est une succession de choses. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui que ça nous tombe sur la tête. Loin de là, je pense que c'est des choses qui se sont construites progressivement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, très bien. Des choses qui se sont construites progressivement. La faute, est-ce que c'est ceux qui sont en place? La faute revient à ceux qui sont en place, en partie. Mais ceux qui ont vendu aussi, parce que pour vendre quelque chose qui te tient, il faut le vendre à des gens qui sont capables de prendre le plus grand soin. Je pense que ça n'a pas été le cas. Après, les acteurs, je dis bien les acteurs, c'est un casting. Les acteurs ont été défaillants parce que pour faire des résultats dans toute chose, pour avoir des exigences et de la performance,
il faut des gens qui sont investis, des gens qui sont déterminés et des gens qui ont aussi une certaine qualité intrinsèque. Je pense qu'on en manque de ça. Et si j'ai dit acteur, je ne dissocie pas forcément tout l'encadrement. Je parle des entraîneurs, je ne dissocie pas aussi tout le management, c'est-à-dire le président. Je pense que c'est un tout. Étape par étape, chacun doit porter sa responsabilité sur le chèque qu'on vient de voir. Voilà. Maintenant qu'on en est là, essayons d'en tirer les meilleurs enseignements possibles pour nous permettre d'avoir les solutions les plus rapides. J'ai dit les solutions les plus rapides parce que plus ça prendra du temps, plus les choses deviendront compliquées pour tout le monde, pour vous, pour nous et pour les vrais amateurs du football africain. Merci Assida. Sur ce qu'il a dit là, messieurs, je vais vous faire réagir sur le fait de vendre. Moi, ça m'a marqué. Le club a quelqu'un qui en prenne soin. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus, Gino, peut-être? Ben, Laurent Martin en a parlé aussi. Le président de l'UBB s'est exprimé en disant exactement le même genre de propos. Ben, un club comme les Girondins, si je pense qu'au-delà d'avoir la fibre Girondins de Bordeaux, tu es obligé quand même de t'impliquer un minimum et de savoir ce que ça représente. Et de le comprendre. Et je pense que malheureusement, on a affaire à des propriétaires qui utilisent les Girondins de Bordeaux comme un club de football lambda ou une entreprise lambda. Donc ça ne peut pas être le cas. Parce qu'on est un club qui est vraiment atypique sur certains côtés. Et si on ne prend pas ça en considération, ben je pense qu'on va vers de cuisants échecs et même pire, vers ce qu'on voit là, où le résultat il est catastrophique et on ne sait même pas jusqu'où ça peut aller. Donc, moi, je trouve ça totalement logique, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Et pas du tout depuis que M6 nous a cédé. Parce que la vérité, c'est que ces gens qui viennent au Girondins de Bordeaux, ils ne sont pas là pour le moyen long terme. Ils sont là pour quoi? Pourquoi faire au Girondins de Bordeaux? C'est ça que j'ai envie de poser. Mais la problématique, juste pour moi, Gino, par rapport à ce que tu dis, c'est que pour moi, ces gens qui sont là à l'heure actuelle sont là par défaut. Il y a quand même un mec qui, je trouve, qui est très épargné, dont on ne parle plus du tout, qui a, je pense... escroqué et vendu du rêve un peu à tout le monde, c'est notre ami Joe Dagrossa. Qui c'est qui est venu chercher M6, King Street, etc., tout pour acheter le club, etc. C'est lui. Hein. Et lui, au bout de 6 mois, il n'était plus là. Hein. Donc il a foutu un petit peu tout le monde dans la merde. Lui, il s'est bien fait plaisir, j'ai l'impression, avec ses amis Varela et Massia. Mm. Mais derrière, tout ce qui a été fait par lui a été irrattrapable par, malheureusement, ceux qui sont arrivés après. Même si par exemple, Lopez, je ne l'ai pas forcément dans le cœur, etc. Mais Dagrossa, et le plus gros fossoyeur de ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. Faut pas l'oublier, parce que M6, effectivement, il voulait partir. Et nous-mêmes, les supporters, on disait M6, faut qu'il parte. On le disait depuis 2-3 ans. C'est vrai qu'on disait ça quand on repense à ça. Ils n'avaient plus les moyens, de toute façon, de se venir aux besoins du club, parce que le club était effectivement devenu, les salaires, etc., toutes les mauvaises décisions qui avaient été prises par M6, effectivement, en termes de salaire, etc., le train de vie était trop onéreux pour eux. Ils n'avaient plus les moyens de suivre, de toute façon. Et il y a eu l'arrivée des Qataris au PSG, etc. Le foot a quand même beaucoup changé à ce moment-là. Et M6 a compris qu'il ne pouvait plus suivre. Donc effectivement, ils ont cherché un repreneur. Joe Dagrossa est arrivé avec King Street et Fortress. King Street et Fortress ne connaissent strictement rien au foot. On est d'accord. Eux, ils s'y connaissent quoi? En financement et en affaires. C'est tout. Là, les propriétaires du club, c'est des mecs qui s'y connaissent en affaires et en business, mais pas du tout en sportif. Mais en même temps, ils sont là par défaut. Parce que tu as un mec qui est arrivé, qui a vendu du rêve à tout le monde, qui a fait... aux supporters, à la mairie de Bordeaux, à M6, à King Street. Oui, enfin, on ne va pas refaire l'histoire. Sur ça, tu as raison. Non, mais on ne va pas refaire l'histoire. Sur ça, tu as raison. Ce n'est pas le cas de Gérard Lopez. Ce n'est pas vrai. Justement, Gérard Lopez est dans le monde du sport. Je ne dis pas qu'il n'est pas fautif. Non, mais c'est des cas différents. Que tu me dises ça sur Joe Dagrossa, King Street, Fortress, je suis d'accord. Par contre, Gérard Lopez n'a pas totalement le même profil que ces gens-là, puisqu'il est déjà dans le monde du sport. Il a déjà des clubs. Il se considère comme un passionné de football. C'est pour ça qu'il a été cherché par les propriétaires du club. Lassina, quel est ton regard sur le projet de Gérard Lopez? Comment tu vois ce propriétaire sur ce qu'il a fait à Bordeaux, sur ce qu'il a fait ailleurs? Comment tu le juges, ce propriétaire de club? Je suis mesuré en parlant de Gérard Lopez, mais je m'explique. Je pense que s'il n'avait pas été là, on aurait eu du mal à être en Première Ligue. Ça, on est tous d'accord. Mais par contre, quand on a l'expertise qu'il a, il s'est dévoué de faire un casting beaucoup mieux que ce qu'il nous a mis en place. C'est d'autant plus simple. On ne peut pas, quelle que soit la qualité, on le dit probablement aujourd'hui parce que la personne a failli, d'avoir un sélectionneur
être entraîneur d'un club. Ça, c'est le premier casting. Deuxièmement, à un certain moment, je pense que quand tous les spécialistes vous le diront, quand on n'arrive pas à trouver une solution à un problème, on essaie de le rectifier le plus tôt possible. Le sélectionneur, à mon goût, est resté un peu plus longtemps qu'il ne devrait l'être. Et troisième, c'est que quand on remplace, on prend quelqu'un du cru et on le fait plus vite. Je pense que les castings ont été mauvais. Pas simplement qu'on a des très, très mauvais joueurs. Non. C'est à un certain moment, on est tous unanimes. Le football, la qualité en est une chose, l'aspect confiance en est autre. Quand on a la qualité, qu'on a la confiance, ça peut vous permettre d'avoir des résultats meilleurs. Du moment où la qualité est en partie et que la confiance au sein du groupe en était aussi, on s'est retrouvé dans une situation beaucoup, beaucoup plus difficile. Et je vous le promets, si on reprenait les choses autrement, avec les mêmes joueurs, avec une certaine sérénité, je pense qu'on n'en aurait pas été là. Maintenant, les choses en sont ainsi. Le casting pour moi de M. Lopez a été un casting qui nous a amené droit dans le mur. Tu grésilles un petit peu, peut-être bouger l'ordinateur. Voilà, ça grésille un petit peu, voilà. Ça va mieux. Vas-y, dis-nous quelques mots. Ça va mieux, ça va mieux. Un petit peu mieux, c'est pas ça. Désolé. C'est pas parfait. Bon, c'est pas grave, on va pouvoir continuer. Messieurs, est-ce que vous avez une question, Samuel, à la Sina? J'avais coupé ton micro. C'est l'émotion. Non, mais ce que je disais, je ne sais même pas quoi demander à Sina parce que c'est quelqu'un qui a connu un Bordeaux qui nous manque, c'est-à-dire un Bordeaux compétitif, un Bordeaux. En fait, tout le contraire, finalement, du Bordeaux qu'on a connu cette année et du Bordeaux qui va devoir affronter les prochaines épreuves. Et c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, on est face à l'impensable et face à l'inédit. C'est qu'une descente sportive avec une direction qui n'est pas en odeur de sainteté et qui a fait n'importe quoi cette année. Parce que autant, encore une fois, et je le redis sans honte, quoique, à un moment donné, l'an dernier, Lopez est arrivé avec de l'argent, ou en tout cas un projet qui pouvait permettre de reprendre le club et éviter qu'il descende. Et on y a tous été favorables. Lopez, tu demandais qu'est-ce qu'on doit en penser, Lopez, ben on le juge aussi sur ses résultats. Quand il arrive à Bordeaux, il a eu un parcours à Lille qui est plutôt correct, où il a su s'entourer de bonnes personnes, comme Luis Campos qui va signer au PSG, en faisant des bons choix. Donc tu te dis, il a une réputation à ses limites, notamment avec le pognon, mais par rapport à ce qu'il vient de faire, il a sa chance. Et en fait, lui est arrivé en terrain conquis, en essayant justement de conquérir tout ce qu'il pouvait sur son passage et après en ayant les pleins pouvoirs en se disant que de toute façon les Girondins c'est moi, on nous a fait une Jean-Luc. Non, moi ça marche pas comme ça et derrière tout en a découlé et moi je sais pas là Sina si t'as déjà connu un vestiaire qui a l'air d'être aussi à l'image de celui de Bordeaux actuellement, complètement déconnecté de sa direction, complètement déconnecté de ses supporters et complètement déconnecté de la situation sportive dans laquelle ils sont. Parce que c'est clairement moi ce que j'ai vu cette saison. Et quand on parlait de groupe de la loose, moi j'ai l'impression que c'est le virus de la loose à Bordeaux et que peu importe qui tu rajoutes dans ce vestiaire-là, eh ben, il devient un joueur qui n'a plus de respect forcément pour le maillot qu'il porte, n'a pas forcément de considération pour ses dirigeants et n'a pas envie véritablement de mouiller le maillot qu'il porte. Moi, je dirais juste, il y a eu des prémices. Je pense qu'ils ont essayé de couper ce qui fait l'ADN et ce qui fait nous par rapport à cette équipe girondine. Cette particularité, c'est même si les choses évoluent, il faut l'accepter, il faut l'admettre. On ne parlera plus de club famille, mais il y a quelque chose de fort, d'ancré dans la relation des joueurs avec l'environnement. Je pense que progressivement, ils ont fait de sorte à éloigner à la fois les joueurs de ceux qui les aiment le plus, et ils ont bunkérisé, c'est le mot, ce château du Hayan, qui est
qui est vraiment quelque chose qui existe nulle part, dans un premier temps. Et deuxième chose, il y a l'ADN ici quand même à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, Farid Spirit. Même si on dit qu'on a une région rugistique, je suis persuadé que le renouveau des Girondins de Bordeaux doit passer par du régional. Il faut vraiment, vraiment qu'on essaie de faire venir des gens qui connaissent mieux cette région-là et que ces personnes-là puissent travailler dans la durée. Qu'on donne vraiment de vraies bases sur lesquelles, comme ça a été le cas dans le passé, beaucoup plus lointain, mais qu'on essaie de bâtir sur ça. Si on bâtit sur quelque chose du régional, avec des gens qui ont vraiment cette conviction qu'ensemble, on peut faire quelque chose, là, on est vraiment dans la bonne direction. Si on accepte encore que d'autres personnes viennent nous dicter leur loi, leur manière de faire, là, ben, ça va être très compliqué. Pour ça, il faut un propriétaire qui ait cette fibre-là. Mais est-ce que c'est parce qu'on avait que deux taverneaux un peu et qui, au final, nous a coûté... à un moment donné, on le disait il y a quelques instants, on a été obligé de souhaiter une vente parce que, et pourtant, quand on regarde dans le rétro, comme on dit, on se dit qu'on était des enfants gâtés, hein, parce que la dernière saison d'M6, ils sont sixième, hein, en faisant une saison mauvaise en plus, et en prenant un coach qui n'était pas excellent, mais qui a fait de belles choses. Peut-être le dernier a fait des belles choses. On le salue d'ailleurs. Mais plus sérieusement, c'était qui le coach? Poyet. Ah, Gustavo Poyet. Ah, oui. C'est le dernier coach à avoir. Le meilleur ami de Samuel. Je t'ai perdu. Bon, vas-y. Oui. Le coach demandé partout dans le monde d'ailleurs. Je vais l'inviter d'ailleurs parce que j'ai son numéro. Avec grand plaisir. Il sera ravi de venir et tu seras là, Samuel. Ah, bah avec grand plaisir. Franchement, j'espère vraiment que ce canal ne va pas me faire bosser ce soir-là parce que vraiment j'aimerais être là. Dis-moi, je prépare le popcorn. Je jette un pari dans la mare. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, on ne serait pas capable, c'est pas quelque chose de facilement réalisable, de faire des socios à l'Aquitaine, je pense bien des socios, et que chacun essaie de mettre quelque chose pour que, effectivement, qu'on montre notre volonté que le club nous appartienne. Ça peut signifier ce que ça doit signifier, mais je pense qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont la possibilité, que chacun donne ce que... Mais qu'on ait quand même un vent nouveau, qu'on essaie d'aller vers cela et de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y a des gens qui seront capables aujourd'hui de donner, en fait, des levées de fonds à des sommes pas possibles. Pourquoi ne pas essayer d'essayer d'entreprendre ça? Pourquoi? Ben, il faut, c'est une volonté, il faut un porteur de projet. Il faut que le propriétaire du club soit ouvert à ça. Si le propriétaire du club n'est pas ouvert à ça, à mon avis, c'est... Tu te heurtes à un mur. Ça n'empêche pas de faire progresser un projet à côté. Mais faut... qui peut porter un projet comme ça? On le voit à Nantes, hein, avec le collectif nantais et Michael Landreau. Ils ont levé plusieurs millions d'euros. Ils ne sont pas à 10 millions encore. Mais c'est toujours insuffisant pour faire une proposition pour acheter le club ou participer au devenir du club. Mais c'est une idée, aussi, mais hein. C'est culturel. C'est culturel, tu le vois en Espagne, c'est culturel. C'est des générations de générations qui sont socieuses, qui mettent de l'argent. Et pourtant, des gens qui ont... en Espagne, le SMIC est beaucoup moins élevé en France, par exemple. Et pourtant, c'est... La plupart des socios, ce sont aussi des gens qui ont des situations modestes parce que justement, il y a cette tradition, ces valeurs, c'est le... Voilà, on investit dans le football. Moi, loin de moi de critiquer ceux qui ne vont pas au stade à certains moments parce que j'y vais pas non plus très régulièrement, plus pour des raisons kilométriques, on va dire. Il n'y a qu'à Bordeaux. Moi, je me souviens de matchs que je suis allé me faire en Europa League quand on était encore en Europa League, donc en 2018, la première saison des Américains. On était 8000 dans le stade contre le Zénith Saint-Pétersbourg. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand Bordeaux n'intéresse pas, quand Bordeaux va mal, son public a tendance à être un petit peu, et là, Sina le sait mieux que nous, exigeant. Et donc, parfois même... qui dit exigence, dit un petit peu rancunier, un petit peu, ils sont capables de se tourner du club un petit peu. Donc, je vois mal tout le monde investir des sommes pour pouvoir avoir un financement
qui permettent à Bordeaux de jouer un haut de tableau ou même un milieu de tableau de Ligue 1. Voilà, le contexte est différent, Samuel. On n'était pas en danger. Là, on est en danger. Absolument. C'est vrai. Regarde ce qui s'est passé à Strasbourg. Mais... Oui, à Strasbourg aussi, à un moment donné, tout le monde se foutait du club. À un moment donné. Par contre, quand le club a disparu un petit peu du paysage, tout le monde s'est réveillé dans la région là-bas. Et pourtant, le club avait été négligé pendant plusieurs années, ce qui fait qu'il s'est effondré. Là, clairement, les Girondins de Bordeaux sont en grand danger à l'heure actuelle. Donc, peut-être que ça réveille un peu les consciences et de se dire que Bordeaux sans les Girondins, ça fait bizarre quand même. Absolument. Absolument. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je pars plus loin même. Je dis que c'est un patrimoine. Franchement, je vais jusqu'à dire ça. On ne s'en rend pas compte encore, mais ça va faire mal. Il faut vraiment que les gens se disent qu'effectivement, moi, je rencontre des personnes qui ont 50 ans ou voire quarantaine passée qui me disaient qu'ils partaient au stade avec leur père. Vous vous en rendez compte? Moi, c'est le cas. Hein. Oui, oui. Moi, c'était le cas. Mais oui, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine immatériel qui nous appartient dans notre mémoire. Le deuxième club de football le plus vieux en France, après le Havre. Donc, il y a quand même une histoire. On aura un derby alors l'an prochain. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, tu vois, c'est quand même l'équipe qui a joué après Marseille le plus de matchs en Ligue 1, etc. Enfin, c'est quand même dans l'histoire de la Ligue 1. C'est un club qui pèse à la base. Sur le podium de l'histoire de la Ligue 1 en termes de points, Bordeaux. Voilà, donc ça montre bien ce que ça veut dire. Plus pour longtemps. Après, et quand tu vois la réaction d'autres clubs comme Toulouse, Niort, etc., d'anciens joueurs, des Aymeric Laporte, etc., et tout, tu montres bien que ce qui se passe à l'heure actuelle au Girondins, ça choque un petit peu quand même. Dans la sphère du football en général, je parle du coup. Sans aller jusqu'aux sociaux, tu as besoin que les supporters prennent une part plus importante dans le club, quoi. Sans pour autant être approprié. Voilà. Ça se fait pas trop, c'est comme dit Samuel. En Espagne, c'est une mentalité très différente par rapport au football. En France, on a un petit peu. J'allais te dire, Nico, cette année, ça a été le cas, sans la partie financière, et ça a créé beaucoup de conflits. Donc là aussi. Ouais, mais non, mais pas comme ça. Il faut bien gérer. Ouais, voilà, mais c'est pour ça que. Il faut les bons représentants. Oui, voilà, non, mais. Bien géré. Non, mais je veux dire de manière un petit peu plus institutionnelle, tu vois, au sein du club. Quoi. Voilà, il faut que ce soit cadré et institutionnel. Enfin, mais c'est peut-être ce vers quoi on tend hein, pour les clubs populaires et régionaux. Gino, si tu veux dire un mot, et après, je poserai une question à la Sina. Non, mais c'est bien. Hein. On est dans une utopie assez extravagante. C'est moi qui vais être le plus réaliste pour le coup. C'est assez. Ah bon ? Oui, parce que avec Gérard Lopez, excusez-moi de vous le dire, mais là, on est dans le rêve le plus total. Lui, il vous le dit les yeux dans les yeux, je ne m'excuse pas auprès des supporters. Donc, vous allez m'expliquer que cet homme va faire rentrer des sociaux ou des supporters dans quelconque choix du club ou une potentielle aide qui pourrait être bénéfique, et je suis totalement avec vous sur ça, et j'adorerais que ce soit ça. Mais malheureusement, je pense que le personnage qu'on a à la tête de notre club, on ne le connaît pas bien, je pense. Parce que ça, c'est impossible avec lui. Je vous le dis clairement. Oui, moi c'est ce que je ressens. C'est pour ça que pour beaucoup, on espère qu'il ne soit plus là dans quelques semaines. Ça, c'est... Qu'est-ce que... Je ne sais pas si j'ai posé la question. Je ne sais pas, je sais plus. On lui a offert question. Une paire de claquettes ou pas à Gérard Lopez? À Gérard Lopez, non. Référence à Frédéric Longuepé, c'est ça, les claquettes. Est-ce qu'il a la même pointure que Fredo? Parce qu'on peut recycler au même magasin, du coup. Est-ce que c'est réaliste, Lassina, quand on voit le message du président et propriétaire des Girondins, qu'il a publié samedi, après le match ou pendant le match, où il dit... Bon, il s'excuse, etc. Et il dit, objectif, remontée immédiate en Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je dirais simplement, c'est quelque chose qu'il doit dire pour essayer quand même d'éteindre quand même la grande déception de tous les amoureux du foot. Voilà, Ça ne reste que de la communication sur ce qu'il a dit. Mais par contre, la réalité en est autre chose. Parce qu'on est tous persuadés qu'aujourd'hui, pour remonter, il faut deux choses. Il faut de la compétence et il faut des finances. Est-ce qu'aujourd'hui, il a à la fois, après ce qui vient de se passer, la légitimité de cette compétence, je ne crois pas.
Est-ce que financièrement, il a les reins assez solides pour qu'on essaie de remonter rapide? Je ne crois pas non plus. Il a fait de la com. Ceux qui sont pour la com vont l'entendre, mais nous qui sommes réalistes, on ne l'entend pas. Bon, au moins, c'est clair, monsieur. Non, mais ah, tout, bon. Dit, hein. Ouais, tout est dit. T'as tout dit. On a la même. Moi, j'ai la même analyse. Hein. Mais là, alors là. Ah. Mais ça en dit beaucoup quand même du personnage. Hein. Parce que le communiqué était très vite préparé. Il est vite tombé. Au contraire de d'autres dates où on a attendu des réactions de sa part. Là, tout était ficelé bien comme il faut. Et c'était assez intéressant. Notamment le fait de demander de l'unité et qu'on soit très vite présent ensemble pour la remontée immédiate. Enfin, moi, ça me paraît assez ahurissant, mais bon, on verra. Cédric, tu es avec nous. Est-ce que tu veux poser Cédric qui est supporter comme nous, sociaux de notre Web TV, puisqu'on a des sociaux à cette Web TV. Ah, super. Voilà, qui nous aident. Ils sont plus de 200 à nous aider moralement et financièrement tous les mois pour qu'on puisse organiser les émissions. Ben, c'est bien. Voilà. Et Cédric en fait partie, c'est un des premiers. Donc, voilà. Et est-ce que tu veux poser une question à Lassina? Bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir la Sina, puisque en 99, j'étais au stade et c'était une équipe extraordinaire avec Michel Pavon et toute la famille. Et effectivement, ça fait plaisir et ça fait plaisir aussi de voir que voilà, il y a des anciens qui commencent un petit peu à, entre guillemets, à commencer à dire voilà, le club, il faut s'en sorte et tout ça. Et moi, je suis très content de ça encore parce que c'est vrai que les anciens peuvent au moins revenir après par rapport à tout ce qui a été dit sur ça. C'est que ça fait. Ça fait mal parce que moi aussi, je serais le premier à vouloir qu'il y ait un système de sociaux à Bordeaux. Ça serait fantastique. Mais là où je rejoins quand même pas mal de personnes là-dessus, c'est que c'est pas notre culture. Et je pense que ça coûterait trop cher. Il faudrait imaginer quelque chose de complètement, quelque chose d'assez exceptionnel pour qu'on puisse arriver à faire ça. Mais voilà, c'est une utopie. C'est une utopie. Et malheureusement, on est encore un club. À partir du moment où il y a Gérard Lopez, ben, on peut pas faire grand-chose, quoi. Voilà, faut être réaliste là-dessus. Voilà. D'accord. Donc, t'as pas de question? Tu veux pas lui poser une question? Non. Non, mais non, j'ai pas spécialement de question, mais ça fait en tout cas plaisir de le voir. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci, c'est gentil. C'est un plaisir. C'est partagé. Voilà. Merci, c'est gentil. Bon. Voilà. Lassina, tu as joué en Ligue 2 à Perpignan? Oui. Est-ce que il est comment alors ça a évolué, c'est sûr, le championnat de Ligue 2, mais peut-être que l'état d'esprit reste le même. C'est comment la Ligue 2 pour Bordeaux comment ça va se passer? Je dirais, la Ligue 2, c'est un championnat très compliqué. Il faut deux axes qui me semblent très importants. Quelqu'un qui connaît effectivement la Ligue 2, et avoir aussi des joueurs qui sont capables d'avoir une vraie dynamique de groupe. Parce que la Ligue 2, on dira aussi qu'en Ligue 1, il faut une vraie dynamique de groupe. Mais je pense que le management en Ligue 2 est complètement différent de la Ligue 1. Mais surtout, ben, avoir une équipe sur l'axe joueuse, parce que c'est très important. Les équipes qui ne jouent pas en Ligue 2 n'ont aucune chance de monter. Ça, c'est une certitude. Voilà. On ne peut pas... Non. Il faut avoir cette capacité, à la fois à domicile comme à l'extérieur, de mettre son empreinte sur le jeu. Quand on a cette capacité, avec un management aussi, on a de fortes chances de monter. Voilà. Si aujourd'hui, cette équipe qu'on a exactement, si elle joue en Ligue 2, je pense qu'on aura moins de chances de monter. Il faut rapidement qu'il y ait un entraîneur qui arrive, qui mette son empreinte de jeu sur l'équipe. Et là, ben, ça va rouler parce que c'est ça qui fait la différence en Ligue 2. Voilà. La constance et avoir ce produire du jeu. Si on a ça, avec un entraîneur, un manager qui a la capacité de mener de bout en bout, on a de fortes chances de monter. Mais là, je ne pense pas que nous, on soit actuellement loti puisqu'on n'est pas capable de faire du jeu, on ne fournit pas de jeu. Ça serait très, très difficile et rapidement, il faut qu'on trouve un entraîneur pour pouvoir nous permettre de faire du jeu. Quel serait l'entraîneur idéal pour toi? Moi, j'ai toujours dit Furlan. Je ne me pose même pas la question. La preuve, aujourd'hui, il n'est pas loin avec Auxerre, il est au barrage. Pourquoi aller chercher loin quelqu'un qui connaît la région, quelqu'un qui connaît ce championnat et quelqu'un qui a fait ses preuves avec des montées? Et la Sina, le problème de Furlan, c'est que lui-même, il le dit, il veut la Ligue 1, ça ne l'intéresse plus.
Donc si le problème de Furlan, moi, c'est que je pense que quitte à vouloir prendre un entraîneur qui veut jouer, peut-être un Batles plutôt, parce que Furlan, en fait, il veut pas, il le dit, il préfère rester en Ligue 2, et c'est pour ça qu'il serait d'accord en plus pour venir à Bordeaux. Il préfère rester en Ligue 2, pouvoir faire du jeu et avoir des résultats plutôt qu'aller en Ligue 1 et devoir bétonner pour espérer ne pas descendre. Non, mais là parce qu'on lui a jamais donné l'opportunité d'avoir un club qui est un club comme Bordeaux. Je pense que Furlan à Bordeaux, ouais, il aime le club. Ça peut être, on dit toujours, et ça, pas parce que c'est le foot, la fonction fait l'homme. Le trouver dans un environnement aquitain, avec les responsabilités qui seraient les siennes, je pense que ça peut transcender l'homme à pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'on peut attendre de lui. Moi, ça me rend. Je prendrais plutôt Batles, perso. Ça sera peut-être aucun des deux. Hein. De toute façon, on pense que ça ne va pas bouger, mais on va en parler après. C'est Admar Lopez, ça se trouve. Donc, c'est Admar Lopez qui fait les compos, de toute façon. Bon, allez. Salut. Hein. On le sait tous, bon, enfin bref, nous on le dit depuis des mois. Mais bon, je pense, j'en ai discuté avec quelqu'un qui connaît bien Furlan qui m'a dit Furlan avec Admar Lopez, il est capable de le dompter. Pourquoi? C'est pas Dovani, je crois, son adjoint Furlan. Ils sont capables. C'est gardien de but. Ouais, il me semble c'est lui. Hein, je dis pas de bêtises. Il est capable de le dompter. Déjà, c'est qu'il a un réseau d'agents qui est compatible avec les Lopez et Lopez. Déjà, ils sont compatibles. Il va se faire respecter par Admar Lopez. Il se fera. Le truc, c'est que en plus, Furlan, il choisit ses joueurs. Et souvent, il a tendance à squeezer le directeur sportif. Alors, c'est ce qui m'a été expliqué. Il m'a dit, il choisit ses joueurs, il n'utilise pas forcément la cellule de recrutement en place. C'est ce qui m'a été dit. Hein. Peut-être que... Non, c'est pas ça. Non, mais par expérience, je pense qu'il a toujours fait avec les joueurs qu'il a souhaité avoir pour avoir des résultats. Voilà. Et ça ne m'étonne pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est. Il sait ce qu'il veut, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une personnalité comme David Guillon. Et moi, cette personne m'expliquait ouais, Jean-Marc Furlan, il a la possibilité d'être compatible avec l'équipe en place. Voilà. Donc, voilà, je voulais juste dire ce qu'on m'avait. Indiqué sur Jean-Marc Furlan. Messieurs, est-ce que vous avez une dernière question pour Lassina? On avait dit une demi-heure, ça va faire une demi-heure. Est-ce que vous voulez lui poser une question avant qu'on continue une dernière question avant qu'on continue l'émission? Non, là, après là, je ne vois pas. Moi, personnellement, ça, je crois qu'on a tout dit. On a tout dit, hein, et il a été très clair. Merci Lassina, franchement, sur l'analyse. C'est moi qui vous remercie. C'était très clair. Je suis ravi de revenir quand vous souhaiterez. Eh bien, écoute, parfait. Ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Allez Bordeaux et bon courage à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Merci à vous. Bonne soirée, messieurs. Allez, bonne à bientôt. Et surtout, on a besoin de courage. Oui. Merci. On est là. Allez, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. C'est toujours très, 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 très clair et très argumenté, hein, Lassina Diabaté, je trouve, et c'est toujours très éclairant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ça fait tout. C'est le franc-parler qu'il a, moi. L'expérience, le franc-parler et cet amour de Bordeaux aussi qui transpire chez lui. Même l'amour du contexte et des supporters, le respect des supporters qu'il a, etc., quand il parlait des socios et tout. Voilà, tu connais pas beaucoup de gens qui en parlent, qui ont été professionnels et tout, qui parlent de ça et tout. Lui, tu vois qu'il veut créer un mouvement global et un mouvement régional et quelque chose qui appartient au club, en fait, du coup. Donc voilà, qui est vraiment purement de ce club-là, en fait, du coup. Donc, c'est ça qui est intéressant dans son discours. Après, est-ce que c'est possible à Bordeaux et en France? Toujours le même débat. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, on a le même avis sur la communication que lui. Et quand c'est lui qui le dit, ça fait autre chose que quand c'est nous qui le disons. Hein. Donc, voilà, c'est ça. Surtout quand il parle des compétences. Ça porte plus le propos, quoi. On va dire, quand c'est un ancien joueur champion de France qui le dit et que c'est pas nous, tu dis, ah ouais. En fait. Il a la même analyse que celle que nous faisons. Messieurs, allez, on regarde le classement. Non. Non. Ah, par contre, c'était pour déconner, pardon. Non, mais on continue quand même à passer des bons moments ensemble. Je ne sais pas si vous avez vu l'image à la fin du match, il y a Placide qui parle à Ignatenko. Tu vois qu'il parle, ils se disent deux phrases. Et t'as Ignatenko qui fait, en fait, c'est à un point. Ça se joue à un point.
Il te dit comme ça, tu le vois avec ce doigt, il fait one point, comme ça. En gros, si on avait gagné Lorient, on serait au barrage. Mmh. Et là, tu vois que le mec, lui, en fait, il a cette réaction-là de dire, putain, mais on a vraiment été mauvais, quoi. Tu vois, de suite, il a cette réaction de se dire, putain, mais qu'est-ce qu'on est con, quoi. Voilà. Oh, Jérôme Ajax. Ils l'ont pas tous eu, oui. Oui, mais lui, allez. Alors, on parle de ce communiqué du président et propriétaire des Girondins de Bordeaux après le match. Donc, j'ai relevé quelques passages. Il y a un mea culpa quand même. C'est un échec, il dit. Collectif et personnel. Au bout de 30 lignes, il y a un mea culpa, ouais. Oui, en tant que président des Girondins de Bordeaux, j'assume pleinement ma part de responsabilité. Nous n'avons pas été à la hauteur, c'est un fait. L'objectif sera maintenant d'établir un bilan détaillé sur la responsabilité de chacun. Des changements sortent d'ores et déjà à prévoir. Déjà, sur ce premier passage, messieurs, alors je vous ai enlevé la tristesse, tout ça. Le passage déjà, sur la tristesse et les émotions. 30, tu nous as permis les 30 premières lignes où ils s'auto-congratule d'avoir sauvé le club l'an dernier, d'avoir fait du bouche à bouche. Non, mais on ne va pas refaire l'histoire monde. Encore. Non, mais oui, il en reparle quand même. Oui, mais on peut en parler. Oui. Non, mais je suis désolé, Nico. Il y a une communication de 50 lignes du président des Girondins de Bordeaux, qui est un monument historique du football français, qui est un des plus grands clubs du football français. La première réaction de Gérard Lopez pendant 30 lignes sur 50, c'est de nous expliquer que, et j'invente rien, hein, vous pouvez relire le communiqué. Hein. Donc la première phrase à peu près, c'est « J'ai sauvé le club il y a un an, il ne nous dit pas de le remercier, mais pas loin. » La deuxième phrase, c'est « J'ai sauvé le club aussi grâce aux gens qui m'ont fait confiance et qui ont continué à me faire confiance toute la saison. » La troisième phrase, c'est « Il dit quoi ?» Il explique qu'en gros, le contexte était très, très, très délicat. En fait, moi, ce qui me dérange sur le début de communiqué, c'est que déjà, il nous donne un contexte. Assume. Tu vois, là, en fait, tu nous as mis ce qu'il fallait. C'est-à-dire, c'est ce que j'aurais aimé que ça commence comme ça. C'est un échec collectif et personnel. Ça aurait dû être les premiers mots du communiqué de Gérard Lopez pour s'excuser. Qui derrière il contextualise, qui derrière il rappelle qu'il a sauvé le club et qui demande aux gens de ne pas l'oublier, il peut avoir raison de le faire. Et on, de toute façon, qui sera sûr, on ne va pas l'oublier. Mais c'est ce que j'aurais voulu voir déjà dans la première communication, c'est ces mots-là. C'est un échec collectif et personnel. En tant que président, j'assume pleinement ma part. Voilà, moi, ce que je voulais voir dès le début. Parce que là, t'as pas fait couler le club de ton quartier, ou sans leur manquer de respect, t'as pas fait couler Moucron, là. T'as fait couler les Girondins de Bordeaux, mon pote. Donc, à un moment donné, montre tes présidents actionnaires, tout ce que tu veux, montre-toi digne de ta fonction. Là, je suis désolé, son communiqué est à l'image de la saison de son club, indigne. Bon, il y en a qui disent, mais il assume en fait. Il assume complètement, c'est trop facile. Il ne parle pas, vous le critiquez. Il parle, vous le critiquez. Voilà. Mais oui, non, mais c'est bien de parler après. Ceux qui veulent dédouaner ce mec-là, bah, voilà. Gino, sur cette première partie. On a le droit de défendre M. Lopez. Bien sûr. Bah, le dernier match de M. Lopez, où on l'a vu, c'est contre Nice. Donc, il n'était pas là sur les trois. Ah non, il était à Roland Garros. Lorient, non ? Non. Ah non, Nice. Il n'est pas là contre Lorient. Ouais, d'accord. Donc, les trois derniers matchs de la saison, il n'est pas auprès de l'équipe. On est d'accord. Il ne communique pas de façon orale. Il envoie un communiqué à la dernière journée de championnat après que nous soyons en Ligue 2. Et, je le répète et je l'assume pleinement, il n'a pas d'excuses à faire après le match de Nice. Et ça, je le dis clairement, je le tiens de la personne concernée. Il n'a pas d'excuses à faire après le match de Nice. Parce qu'il est en train de chercher des investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de chercher des investisseurs. Alors, on va voir où sont ces investisseurs, à M. Lopez, pour venir aider à mettre les 20 millions qui manquent. Et on va lui demander comment ça se fait qu'il n'ait pas été proche de tout le monde, puisque ça s'est joué à un point, normalement. Vu que ça ne s'est pas joué à beaucoup, finalement. Il n'a même pas été en capacité à être auprès du club dans ces moments-là, dans ces moments présents. Donc, moi... Ah, on a perdu... Il a bugué, là. On a perdu Gino. Je pensais qu'il mettait un temps mort, tu sais, dans sa... On a perdu Gino. Je pensais qu'il cassait le rythme un petit peu. Il est revenu. Ouais, c'est pas grave. Je me demandais comment on pouvait défendre ce monsieur. Ce que je disais, après tout ce qui s'est passé et le fait qu'il n'était pas présent donc depuis ces trois derniers matchs et qui voilà de tout ce qu'il nous a dit et son communiqué pour moi qui résume bien comment il a géré sa saison de toutes les manières. Sur le contenu,
Mais surtout, il parle de responsabilité de chacun. Mais le premier responsable, voilà, c'est lui. Sur l'objectif, il dit maintenant, c'est d'établir un bilan détaillé des responsabilités de chacun et des changements sont d'ores et déjà à prévoir. Alors, les responsabilités, c'est... Donc, il va les définir. Oui, est-ce que Admar Lopez est visé, là ? Moi, j'en vois déjà Mais Nico, c'est un peu lâche. Énormément responsable, c'est lui, c'est Admar Lopez. Déjà, c'est un peu lâche parce que c'est quand même... c'est Gérard Lopez qui a choisi de ne pas mettre un président. C'est Gérard Lopez. Et moi, pour le coup, je ne veux pas dissocier les deux parce que j'estime que déjà, ils sont arrivés main dans la main dans ce club. Donc, ce n'est pas au moment que ça va mal qu'il va falloir les détacher. Et ils ont toujours été soudés jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la relégation. Donc, on ne va pas maintenant commencer à dire c'est la faute d'Admar. Pour moi, s'il doit y avoir un départ, le départ, il est des deux. Ou en tout cas, de leur poste. Ils peuvent rester au club. Non, mais oui. Gérard Lopez peut quitter la poste de présidence du club et n'être qu'actionnaire et n'avoir plus son mot à dire. Il y a un mec qui dirige le club. Notre ami Admar Lopez peut ne plus être le directeur sportif parce qu'aujourd'hui, il a prouvé qu'il n'était pas capable de le faire. En revanche, il peut très bien travailler en tant que recruteur pour les Girondins de Bordeaux, ce qui est son boulot à la base. Donc voilà, donc je veux dire, à ce niveau-là, s'il veut parler de responsabilité, eh ben, qu'il prenne un miroir avec son pote Admar et il regarde le miroir et ils verront les premiers responsables de la saison. Je continue un autre extrait de ce courrier, cette lettre, ce communiqué, des changements nécessaires, mais qui n'altèrent pas mon ambition de dirigeant. À présent, il va falloir assumer, se relever et construire un projet qui doit permettre au club d'être ambitieux avec l'objectif d'une remontée dans l'élite dès la saison prochaine. Joe, sur ce qui a été dit depuis le début, là, qu'on réagit, et sur cette ambition, alors il l'a très bien commenté, la Signa Diabaté avant. Limite, on a rien d'autre à rajouter, Il a fait l'analyse, mais est-ce que tu veux réagir au propos du président et propriétaire ? Ça, cette phrase-là, ça me rappelle quand il a dit en début de saison, les gars, on vise le top 10. Et même après le mercato d'hiver, où tu as Adli qui parle, qui dit ouais, on vise toujours le top 10 vu le recrutement qu'on a. C'est exactement le même type de discours qu'il a depuis qu'il est arrivé au Girondins de Bordeaux. Donc à un moment donné, ces discours-là, moi, clairement, c'est du pipeau. Voilà, c'est du politiquement correct, c'est tout ce que tu veux. Il sort quelque chose parce qu'il faut sortir quelque chose, il n'y a aucun problème. Maintenant, là, ce dont tu me parles, moi, venant de toi, j'y crois pas. Voilà, parce que tu n'as, à l'heure actuelle, tu m'as montré que tu n'avais pas la compétence pour pouvoir faire en sorte que ce club fonctionne et que ce club sportivement évolue dans le bon sens. Point. Si tu ne sais pas t'entourer des bonnes personnes, c'est que tu n'es pas un bon dirigeant. Donc, quand tu places un Admar Lopez qui, malheureusement, pas dans son rôle, qui n'a pas été compétent du tout et qui s'est ramassé complètement dans tous les choix qu'il a pu faire, ben déjà, t'es un peu mal barré. Donc voilà. Donc, comme le dit Samuel, qui reste propriétaire du club s'il veut, mais qui délègue un petit peu le sportif à d'autres personnes pour que ce soit un petit peu plus sain. Déjà, parce que quand on voit comment il a géré les mercato, ça a été quand même une catastrophe dans les départs et dans les arrivées. Voilà. Moi, cette phrase-là, ça me fait écho à ce qu'il avait dit à son arrivée. Et déjà, à son arrivée, je me disais, voilà, ça me paraît un peu trop ambitieux parce que pour construire une équipe ambitieuse qui a pour objectif et en tout cas les moyens de remonter, il va falloir un petit peu de budget, comme l'a dit la Signa Diabaté. Il va falloir pouvoir également recruter quand même, enfin, construire en fait un staff avec coach, avec assistant, avec préparateur physique, etc. Ça aussi, ça coûte de l'argent, faut pas l'oublier. Ça, il a bien négligé l'année dernière, hein. Donc, parce qu'il a tout mis sur des joueurs, hein. Donc déjà, s'il se concentre pas sur ça au départ, mais maintenant, quels moyens il aura pour ça? Là est la question, hein, parce que là aussi, au niveau des moyens, on peut s'inquiéter aussi, parce que je ne suis pas certain qu'au niveau moyen, on aura les moyens de lutter pour la montée l'année prochaine. Hein. Pour l'instant, il ne faut pas trop rêver, hein, à l'heure actuelle. Quand il dit qu'il faut se relever et construire un projet, ça veut dire que le premier projet, on ne sait pas quel était ce premier projet, à part un résultat top 10. Cédric, tu veux réagir? Quand il dit construire un projet, oui, c'est quoi le projet? En fait, voilà, c'est la question, parce que effectivement, si c'est le projet trading comme cette année qui a été une catastrophe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est un projet sur la formation. C'est être capable à un moment donné de pouvoir se dire, on a un centre de formation qui était à une époque un des meilleurs de France, qu'on puisse former des joueurs, parce que dès que ces joueurs sont sortis sur les Girondins de Bordeaux, et ça ne sert à rien d'aller chercher des joueurs au bout du monde. Moi, c'est ça, en fait, que je souhaiterais comme projet. Mais malheureusement, est-ce que c'est ça le projet de Lopez? Et puis cette phrase, un club ambitieux, mais moi, je connais aucun club dans le monde qui n'est pas ambitieux, qui aimerait toujours avoir les meilleurs résultats possibles. Enfin, c'est un discours de politique, c'est tout. Hein. Et puis, voilà, le projet trading, c'est non. Et puis, revenir sur quelque chose de beaucoup plus simple, on va dire, voilà, revenir à des valeurs d'un club qui veut former des joueurs, c'est tout. C'est ça pour moi,
C'est comme ça que qu'on doit être aux Girondins de Bordeaux, mais bon. Et puis de toute façon, la remontée dans l'élite dès la semaine prochaine. Ah, pardon, excuse-moi. Non, je disais compléter ces joueurs formés avec des joueurs plus expérimentés. Mais qui peut croire quand même qu'on va avoir les structures pour remonter l'année prochaine? Mais qui croit ça là parmi vous? C'est-à-dire les structures, qu'est-ce que tu entends par les l'organisation, les structures, l'effectif, le staff, ouais. Les structures du club, sportif, institutionnel, le staff, les structures financières, les compétences, comme il disait juste avant. On a envie d'y croire parce qu'on est les Girondins de Bordeaux. Tu dis Girondins de Bordeaux, quand ils sont en Ligue 2, ils sont obligés de se dire il faut qu'on remonte automatiquement. Mais à l'heure actuelle, quand tu vois le club, l'état du club et le contexte, et voilà. C'est inconcevable. Moi, j'attends de voir parce que les prochaines semaines devraient quand même donner place à un ménage incroyable, ne serait-ce que parce qu'il y a une obligation financière de virer pas mal de monde qui ne peuvent plus non plus des salaires donc pas des salaires compatibles avec la Ligue 2 et des niveaux non plus d'ailleurs. Certainement plus bas pour certains. Même si d'ailleurs, au passage, ça ferait quand même bien marrer que Kouateng, Oudin et tous ces mecs se farcissent une saison de Ligue 2. Ça leur ferait du bien, je pense. Mais en fait, pas à Bordeaux. S'ils peuvent le faire ailleurs, ce serait bien. Mais ils le mériteraient, hein, franchement, pour l'ensemble de leurs œuvres pour les dernières années, ils devraient y aller au moins une bonne saison. Mais je suis quand même un tout petit peu confiant dans la mesure où. J'attends de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines et quel recrutement va être fait. Parce que tu penses qu'il va y avoir du recrutement? Bah oui, parce que tu vas être obligé à un moment donné. Il faudra bien que tu alignes 11 mecs sur la pelouse et qu'il y en ait 6 sur le banc. Hein. Donc je pense quand même qu'il va y avoir une grosse partie des joueurs qui vont partir. Si tu arrives à garder les bonnes personnes, c'est-à-dire un Sekoumara, un Bakwa, un Lacou, un Sissoko. C'est-à-dire des mecs qui ont quand même déjà une saison de galère et d'expérience en Ligue 1 et que tu peux les associer à quelques joueurs expérimentés de Ligue 2 ou de Ligue 1 qui ne te coûteront pas très cher ou voire que tu peux avoir libre ou en prêt, je pense que tu peux avoir une bonne saison, peut-être pas champion, peut-être même pas remonter, mais avoir une bonne saison qui te sert de bonne base. Donc il y a quand même pour moi une possibilité d'être un petit peu confiant. Mais pour être confiant, encore une fois, il faudra juste que ce soit bien géré. Et ça, pour le coup, je suis un peu moins confiant. Mais je pense en tout cas que, même avec une gestion qui ne sera pas optimale, Bordeaux a les moyens, déjà en termes d'attrait et en termes de joueurs déjà présents dans l'effectif, de pouvoir composer une équipe plutôt correcte en Ligue 2. Et moi, je te pose juste une question, ça me le fait à tous, et du coup, mais qui, à l'heure actuelle, coach, joueur, etc., qui a envie de venir au Girondins de Bordeaux et de travailler avec Anmar Lopez et Anmar Lopez? Juste ça, quand tu vois la saison, ce qui en a découlé. Bah, je suis désolé, Joe. Alors, c'est des joueurs que je m'en foutisse comme on l'a depuis actuellement. Furlan, il va venir. Non, mais je suis pas d'accord là, avec toi, Joe, parce qu'en fait, qui aurait voulu venir en janvier alors? Tu vois ce que je veux dire? En fait, Gérard Lopez, c'est le propre, je ne vais pas dire le mot parce que ça pourrait être insultant pour lui, mais je le pense quand même. C'est le propre des gens comme lui, c'est qu'ils arrivent à faire croire que tu peux venir avec maintenant, tu crois qu'il va faire croire qu'aux gens qui, oui, vu ce qu'ils ont vu pendant un an à Bordeaux, tu crois que les gens vont croire aussi que ce qu'il lui dit, ce qu'il va dire aujourd'hui, c'est possible? Aujourd'hui, lui, il a sa défense, Joe. Mets-toi à sa place, lui, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai fait des mauvais choix sportifs, mais sur le reste, après, voilà, on s'est planté, mais l'année d'avant, on était champion de France. Donc parce que lui, c'est comme ça qu'il le voit. Lui, c'est nous. Oui, mais là t'es pas dit. Quand il parle de nous, il parle de lui, en fait. Lui, quand il dit Bordeaux, des fois, quand Lopez, il parle de son passé, il parle pas du passé de Bordeaux, il parle du sien. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est sa réputation plus que l'avenir sportif du club. Donc lui, il peut très bien continuer à aller voir. T'as des mecs en Ligue 2, des mecs qui ont fait des bonnes saisons. Tu leur proposes d'aller à Bordeaux. T'as un mec comme Gérard Lopez qui arrive à bien leur parler, etc. À bien parler à leurs agents, et ça, ils savent faire. Pour moi, tu peux arriver à monter une équipe pas trop mal. Est-ce que je suis en train de te dire que c'est le renouveau de Bordeaux? Non, mais par contre te dire que je pense qu'on peut remonter en Ligue 1 avec un coup de Trafalgar de Gérard Majax, pourquoi pas? Gino, tu veux t'exprimer là-dessus? Il y a quelque chose qu'on oublie, je pense. Projet, ouais, et même aussi. Par rapport aux joueurs, moi ce qui me paraît compliqué, c'est que l'aspect psychologique et ce qu'ont vécu les joueurs, faudra vraiment le prendre en compte dans le bilan. Et ces mecs-là, ils sont marqués. Donc, si justement le début n'est pas simple, moi je pense qu'on va être dans une saison qui ne sera pas facile à appréhender. Donc, c'est pour ça qu'il mettra un président délégué, Gino. Ouais, mais justement, ça, moi, dans le communiqué, la fin du communiqué, ce qui m'embête, c'est qu'il te dit on va assumer, on va se relever, on va reconstruire. Il veut être le leader du renouveau de Bordeaux. Lui, Lopez, il fait deux mois,
il vire des mecs, il en remet et hop, transformation. Mais tu verras, Gino, il est capable de prendre un Stéphane Martin en président, parce que, enfin, ouais. En tout cas, d'essayer d'aller le chercher, parce qu'il sait que ça fera plaisir aux supporters. Ce mec-là, en fait, Gino, il est capable, sans être aux manettes, de faire croire qu'il est aux manettes. Et c'est ce qu'il a fait à Lille, finalement, quand ça s'est bien passé. Et c'est ce qu'il espère faire à Bordeaux. C'est de dire, OK, cette année, j'ai essayé de faire le beau en disant, moi, j'ai été champion avec Lille, donc je ramène Admar et à deux, on tient le club. Au final, il a été dernier. Donc, il s'est rendu compte peut-être de son réel niveau de gestion. Et l'an prochain, c'est, encore une fois, je ne vais pas dire le mot, mais c'est le propre des gens comme lui. Ils savent comment se retourner à un moment donné pour faire du paraître. Toujours sur du court terme, jamais sur du moyen ou du long, mais toujours sur du court terme. Et ouais, je pense que il va là, il s'est tellement planté qu'il va être obligé de le faire. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Ah, je suis d'accord. Comment il te l'annonce. Et moi, je pense sincèrement que ce qu'on a vécu ces dernières années, notamment cette saison, les joueurs qu'on a, et même ceux qui vont rester, parce qu'il y en a qui vont rester l'an prochain, ils ont été marqués par ce qui s'est passé, psychologiquement. Par la façon de faire. Et bien, pour que tu changes la donne et que tu arrives sur une saison qui va être différente, il va falloir bien appréhender justement tout ce qui s'est passé et avoir justement des gens peut-être différents avec un autre discours et d'autres personnes que tu fasses venir, mais il ne faudra pas faire les mêmes erreurs. Et moi, je me méfie énormément de leur système et de comment fonctionnent ces gens-là. On regarde les échéances à venir et les grandes étapes. Donc, on a vu que le conseil d'administration n'a rien acté, si ce n'est que l'équipe a indiqué qu'il y avait 20 millions d'euros à aller chercher pour pouvoir passer la DNCG mi-juin. Tchouaméni annonce son transfert en fin de semaine. Donc, on va déjà sauf que le pourcentage à revendre sur Tchouaméni sera là pour combler les dettes. C'est une exigence de la LFP. Fortress ou... Voilà, ou de LFP ou des créanciers. Voilà, donc c'est-à-dire que le pourcentage est ce qui n'est pas plus mal pour le club au final. Bien sûr. Ouais. Parce que si c'est encore pour recruter des joueurs qui ne sont pas bons, autant à peu près. Alors, bien sûr, moi, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah, oui, non, mais tu as raison. Moi, 80 millions, Bordeaux prendrait presque 10 millions. T'es en train de dire quoi, Nico ? Faudrait qu'on ait presque une interdiction de recrutement pour qu'il nous fasse un projet tout autre de ce qu'il fait ? Alors, non, j'allais pas dire ça. Mais... Il y a beaucoup de joueurs libres cette saison. Il y a beaucoup de joueurs libres. Franchement, moi, je serais presque pour, même, vu comment la tournure prend fait. Mais bon. Moi, je vais vous donner ma vision. Allez. Moi, je pense que là, de toute façon, tout est bloqué au club jusqu'à mi-juin. Tu peux, ouverture du mercato 10 juin, tu peux peut-être avoir des départs, mais tout est bloqué. Les comptes sont bloqués, tu ne peux plus rien faire tant que la clôture n'est pas faite. On est dans le flou. Est-ce que Admar Lopez va partir ? Ça reste à voir. Est-ce qu'il va avoir un nouveau président ? Ça reste à voir. Bien sûr. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau propriétaire ? Ça reste à voir. Moi, je pense que tout peut arriver et que la situation est plus catastrophique que l'année dernière. Ça, c'est mon sentiment. Parce que le championnat, il doit reprendre quand, là ? Dans un mois, à peu près. Les équipes de Ligue 2, le vont 24 reprendre. Juillet, je crois, il reprend. Alors, le championnat, il reprend le 30 juillet. Week-end du 30 juillet. La Ligue 2, ça reprend. 30 juillet. 30 juillet. Mais l'entraînement, il reprend quand ? Un mois avant, quand même. Fin juin, ouais. Tu reprends donc avec quel coach, là, dans un mois ? Quel directeur sportif ? Quel staff ? Après, on a vu l'an dernier que il pouvait nous poursuivre le cirque de l'année d'après. Hein. Mais comme il y avait avec Paulo Souza aussi, qui oui, mais donc tu l'as perdu. De Gassé. Tu vas sûrement. Ça fait deux ans que c'est le cas, d'ailleurs. Ah, oui, c'est ça. Donc on est déjà en retard. Ouais. On est déjà en retard. On est déjà en retard pour la Ligue 2. Mais c'est la vérité. Moi, ce que je vois dans le community, tu sais quand même depuis un mois et demi que tu vas finir en Ligue 2, quasiment. Donc, si tu n'as pas préparé la Ligue 2 de manière institutionnelle, de manière sportive, c'est que tu n'as pas bien travaillé, si tu n'es pas prêt pour la Ligue 2. Parce que ton plan Ligue 2, ça doit faire au moins 2-3 mois qu'il doit être prêt quand même. Tu le vois, comment ça se passe dans le club. Donc, un, déjà, on est en retard. Deux, dans la communication de Lopez, il me dit oui. Hein. Il dit qu'il cherche un projet. Ah, putain, il cherche encore un projet, ça fait un an. Ça va faire un an qu'il est là. Il cherche quoi ? On va l'aider, on va lui faire le projet. De l'argent. C'est ça quand il dit projet. Des investisseurs. Ça, il le dit, pardon. Oui, ça. Ouais, bon, putain, mais il va mettre combien de temps pour trouver un projet ? C'est vrai ? Combien de temps pour trouver un projet ? Mais s'il n'y a pas de projet. Il oriente le projet. Moi, je lui dis, s'il n'y a pas de projet, qu'il ait sa place. Il y a des gens qui ont un projet. Bien sûr. Et peut-être de l'argent ou pas. Je ne sais pas. Donc, moi, c'est ma vision. On est très, très mal. Moi, je suis très pessimiste. Parce que le 15 juin, tu peux avoir rétrogradation administrative en national.
Et ensuite, tu repasses devant la DNCG début juillet. Il faut qu'avant le 15 juillet, les compétitions soient validées complètement. D'accord ? Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'il y aurait déjà dû avoir des décisions. Peut-être qu'il y en a eu. La seule chose rassurante, c'est que peu de gens, et ça, on te l'a toujours bien fait comprendre ces derniers mois, peu de gens veulent que Bordeaux coule. Donc, peu de gens ou beaucoup de gens ? Peu de gens. Peu de gens, oui. Moi, j'essaie d'être confiant. La LFP, je sais qu'il y a beaucoup de débats en ce moment, surtout vu les décisions arbitrales, mais dans tout le reste, toutes les institutions, aucun intérêt à ce qu'une équipe comme Bordeaux, un stade comme Bordeaux descende. Enfin, descende, disparaisse plutôt. Surtout dans le sud-ouest, ça fera un gros trou derrière. Exactement. Parce que là, il y a énormément de joueurs qui vont partir. Ça veut dire que les joueurs que tu auras début juin pour commencer le championnat. Il faut que ces joueurs-là en juin, aussi. Fin juin pour commencer la préparation du championnat. Est-ce que ce sera les mêmes au mois de juillet qui vont commencer la Ligue 2 si on est en Ligue 2? Ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de cet effectif qui vont jouer la Ligue 2 parce que les joueurs qu'on va vendre aujourd'hui, on va essayer de vendre Wang, Albert, Ellis. C'est des joueurs que les clubs qui veulent les acheter vont essayer d'acheter le plus tard possible pour avoir le prix le plus bas possible. Pareil pour des mecs comme Franz Sergio, Houdin, Kouateng, si jamais il y a des clubs qui en veulent. Eh ben, ils vont vouloir les acheter 1,5 millions le dernier jour du mercato pour pouvoir se dire bon ben voilà, on les a escroqués. Quoique Kouateng, déjà si on le vend 2 millions, on aura déjà plus ou moins réussi notre saison. Donc, je pense sincèrement qu'un Rémi Houdin, qu'un Albert Sélis vont jouer des matchs de Ligue 2 en juillet. Hein. Ah ouais. Alors là, je pense que tu te. Moi, je pense que tu te trompes. Parce que ces mecs-là ne seront pas partis. Et comme ils seront nuls et que personne n'en voudra, faudra. Et tu connais. Bordeaux ne pourra pas les payer. Ils peuvent partir libres, Samuel. Ils ne pourront pas les payer. Bordeaux ne pourra pas les payer. Parce qu'en fait, je crois qu'ils sont obligés en fait, d'accepter ou non une baisse de salaire. Il y a un pourcentage obligatoire du coup de la baisse de salaire. S'ils refusent, les joueurs partent libres. Il y a quelque chose comme ça, il y a une clause comme ça. T'imagines même un salaire, je crois que c'est 30%, 20 ou 30% la baisse de salaire de Houdin. Houdin, c'est plus de 100K. C'est ça, oui. Putain, 70K. C'est génial quand même que le mec 60K, décide de partir libre alors qu'il fait partie des mecs qui t'ont envoyé dedans. Quand même. C'est génial. Hein. C'est, vraiment bien fait, cette réglementation. Voilà, donc ça sera surtout un mercato de joueurs libres et de joueurs en prêt, une nouvelle fois, pour vivre une saison quasiment similaire à celle qu'on a eue. Et attention à la saison, parce qu'il n'y a pas de changement dans l'état d'esprit du club et du propriétaire, c'est pas la montée qu'on va jouer, c'est le maintien en Ligue 2. Eh oui, moi je pense que d'annoncer que tu joues la montée, c'est une erreur. Puis il n'y a que deux montées l'an prochain. Il n'y a pas de barrage ni rien. Là, c'est tu montes ou rien, hein, de toute façon. Tu n'as que deux équipes qui vont pouvoir monter. Donc, ça réduit beaucoup les chances. Et tu as des clubs qui essaient depuis quelques années en Ligue 2, qui sont les Sochaux, les Paris FC, etc., qui sont là depuis quelques années. Donc, Auxerre, on verra ce que ça donne. Mais Auxerre aussi titille un petit peu depuis 2-3 ans. Il y a des clubs qui sont préparés à ça pour la montée. Puis tout le monde va vouloir jouer Bordeaux. Ben voilà, mais c'est normal. Mais tant mieux. On va être le Paris Saint-Germain de la Ligue 2, entre guillemets, quoi. Tout le monde va, au début de la saison, ils vont tous cocher le match contre les Girondins parce que tu vas jouer les Girondins de Bordeaux. Et on se souvient, Nico, que ce qui me fait peur, c'est que toutes les équipes de Ligue 2, c'est les équipes quand elles étaient en Ligue 1, contre lesquelles on galérait le plus à la maison, notamment. Non, mais c'est vrai, c'est les équipes qui venaient nous battre 1-0, 2-1. Tu vois, je mets à Grenoble, trucs comme ça. Le Mans, ils sont plus. Le Havre. Le Havre, moi j'ai souvent des bons souvenirs avec Le Havre, mais toutes ces équipes-là un peu chiantes, Dijon, des équipes qui venaient souvent prendre des points chez nous, quoi, contre lesquelles on perdait souvent les 4e, 5e places. Bon, messieurs, on a terminé l'info en vrac, c'était Mercato sur Maras qu'il avait dit. On en a parlé un peu en début d'émission. Moi je rajouterais juste que tout dépend le projet, voilà. Il veut rester, mais si le projet lui convient pas, partira s'il y a une offre. Voilà. Et ne pas tout dépendra du propriétaire. Et aussi ne pas trop mettre de poids sur les jeunes. Attention, parce que dire ouais les gars, tout va peser sur les jeunes, etc. Mais et ça, tout. Faut quand même un cadre. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu peux te dire oui, cet homme-là est peut-être le futur des Girondins, mais tu peux pas te dire pour l'an prochain, on va s'appuyer que sur lui en attaque.
Moi, j'entends ça à l'heure actuelle. J'ai dit non, il faut une équipe construite, il faut une équipe équilibrée, il faut 2-3 guerriers, il faut 2-3 passeurs, il faut un buteur, il faut une défense solide. Il faut trouver une équipe dans tout ça, entre jeunes, expérience, etc. Et tout. Donc, on ne peut pas s'appuyer que sur Mara ou sur la Cour. Il y aura des profils intéressants à prendre en Ligue 1 à ce niveau-là. Je pense à, bon, on a déjà parlé, Nico, pendant des clubs mercato, mais à Mangani, par exemple, qui arrive en fin de contrat à Angers, avec Angers, qui va être acheté. Je pense à des mecs comme ça, voilà, qui peuvent être intéressants. Il y a Romain Thomas aussi, je crois, qui est en fin de contrat d'ailleurs à Angers. Romain Amouma aussi, je sais qu'il est en fin de contrat à Saint-Etienne. Laurent Koscielny. Mais il met le but, il va peut-être sauver Saint-Etienne. Oui, mais parce que c'est l'image. L'ambassadeur, Nico. Laurent Koscielny, il peut être ambassadeur Ligue 2. Un million. Tu sais que quand on y réfléchit, hein, avoir remplacé Koscielny par Marcelo pour continuer à payer le salaire de Koscielny et payer celui en plus de Marcelo, c'est du crime. C'est du crime. Ça devrait être pénalement jugeable. Ouais, et le mec, il veut rester. Ah ouais, reste, très bien. Va jouer au stade Bordelais. Alors. Non, mais je te parle de Lopez. Marcelo veut rester. Non, je te parle de mélanger tout. Le mec a pris cette décision-là, en fait, veut rester au club. Aucun rapport avec ces histoires dans le vestiaire, mon geste, par rapport à Marcelo. Mangino, t'as vu les messages de Toulouse, de Niort, de Bergerac, des clubs? Qu'est-ce que tu en penses? Non, plutôt sympathique. On va le prendre de la bonne manière, même s'il peut y avoir quelques moqueries de temps en temps, et ça fait partie du charme aussi du foot. Mais je pense que c'était plutôt respectueux dans l'ensemble. Et puis, voilà, on est quand même un grand club. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt bien de leur part. Et Nico, on peut saluer aussi Toulouse, qui a fait un très beau message, je trouve, le soir de la descente. Moi, je le dis parce qu'en plus, j'ai un peu de la famille avec Toulouse, donc ça a toujours été grosse condescendance de notre part. Ça continuera, hein, je vous rassure, hein, amis toulousains. Vous avez encore 6 titres de retard. Mais leur message était beau et était vrai. Enfin, ça avait l'air sincère. Et effectivement, moi, je leur souhaite une très bonne saison en Ligue 1 et j'espère vite les rejoindre pour continuer à leur mettre des tôles. Mais souvent, c'était l'enfer ces dernières années. Donc, bon. Mais bravo en tout cas pour ce message. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec Joe sur le pas mettre trop de pression sur les jeunes, parce que je pense qu'ils sont capables de le supporter, les Maras, la coup, les mecs qui demandent que ça. Il a pas tort, Nico. Oui, voilà. Ce qu'il dit, oui, Joe, non, mais ils ça, peuvent je suis pas être le centre du projet et porter le projet eux-mêmes en Ligue 2. Là, je suis d'accord, mais les faire jouer, ils demandent. Ah oui, que oui, ça. C'est pas pareil de pas les faire jouer. J'ai dit de ne pas leur donner trop de poids d'importance par rapport à nous. Voilà, un tiers de l'effectif. Par exemple, je pense qu'il ne faudra surtout pas donner le brassard à un jeune. Non, voilà, c'est ça. Il faut qu'il s'occupe de jouer. Il faut qu'il s'occupe de jouer, de se faire plaisir et de entre guillemets de mouiller le maillot comme ils l'ont fait les Lacou, les Maras, il n'y a aucun problème. Quand ils sont sur le terrain, ils se battent. Il faut qu'ils continuent juste ça, qu'on leur laisse faire ça. Après, le reste, il y a les responsabilités que d'autres joueurs doivent prendre. Et ce n'est pas eux de les prendre à l'heure actuelle, en tout cas pour la saison prochaine. Et Nico, tu vois, avec ces mecs-là, moi, je pense qu'il faut prendre des joueurs feel good et des joueurs qui connaissent le club, tu vois, ou qui connaissent le foot français. Donc, je parlais d'un Mangani il y a quelques instants, mais il y a un profil pour moi qui ferait énormément de bien au club, je pense, parce que c'est vraiment ce genre de profil feel good et qui, en plus, peut stater, même si on n'est plus sûr des qualités. C'est Cheikh Diabaté. Je me répète depuis qu'il est parti. Oh non. Hein. Mais sincèrement, moi, je le dis, c'est le genre de mec comme ça où on se dit « Ah, mais c'est Qatar et tout, etc. » Ouais, mais bon, on est allé prendre des mecs qui, soi-disant, étaient en Liga NOS et étaient intéressants. Enfin, Liga Bwin, d'ailleurs, maintenant. Et qui, au final, Franz Sergio, ça devait être c'est un patron de Braga, demi-finaliste de Coupe d'Europe. Je préfère prendre des mecs qui vont faire un peu du bien au vestiaire et pas forcément beaucoup de bien sur le terrain, mais peut-être déjà un peu plus que d'autres mecs qui arrivent confirmés et qui n'arrivent pas à s'adapter au club. Vous en pensez quoi de ce qu'il dit ? Il est libre en fin de saison aussi, là, par exemple. Bon, il a une grosse blessure et tout, mais. Paul Lann. Ouais. J'ai pensé aussi, juste sur Diabaté, Gino, Cédric, vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que c'est. Je ne sais pas si c'est réaliste. Je ne connais pas son état de forme, rien du tout. Gino. Non, mais par contre. Vas-y, Cédric. Non, mais par contre, effectivement, non, ça serait la belle histoire qu'il puisse revenir aux Girondins. Après, c'est qu'il en est physiquement, tout ça, on ne peut pas trop savoir. Mais par contre, oui, ça peut être dans le vestiaire. Il pourrait avoir peut-être un rôle important parce que c'est un joueur qui aime le club, tout simplement. Et c'est peut-être ça aussi qui manque aux Girondins de Bordeaux, peut-être. Voilà. Tout ce que j'ai. Voilà. Mm-hmm. Tout simplement. Gino,
Non, moi, je suis un peu sur la même longueur d'onde. Après, sportivement, ça paraît compliqué parce qu'on ne sait pas quel est son niveau sportif. Mais dans ce que dit Samuel, je l'entends aussi. On a besoin de ce genre de mec. Donc, avec un Mara, avec d'autres attaquants peut-être qui feraient plus de temps de jeu et plus de matchs, si lui, il est en complément de tout ça, il t'apporte ce côté expérience et ce côté amour et grinta du club, ça sera beaucoup mieux que les mecs qu'on a vus qui sont venus et qui ne sont pas sûrs d'être là dans 6 ou 8 mois. Donc, au moins, tu sais où tu vas sur ce côté-là. Et cet état d'esprit, tu ne l'as pas eu. Ou tu ne l'as plus depuis des années. Donc, ça fait 10 ans qu'on refuse de prendre des anciens. Ça fait 10 ans que, je ne sais pas pourquoi, on a cette politique de ne plus reprendre des anciens. Moi, je pense que des anciens feront du bien. Ils pourront aussi être des mecs comme Paulin, comme Diabaté. Ça pourra aussi être des leaders de vestiaire et des leaders médiatiques. Et justement, ça, le fait que ces mecs-là occupent un espace assez intéressant pourra laisser l'espace principal à ceux dont on veut voir le développement, c'est-à-dire les jeunes. Donc, à un moment donné, qu'il y a Ben Arfa qui veut revenir aussi. Non, mais voilà, mais sans, en fait, sans aller dans le troll, parce que pour le coup, vraiment, moi, je suis sérieux. Toujours vouloir dire, ah, les anciens, c'est pas bien, ça n'a jamais marché les retours, on ne sait pas, parce que ça fait 10 ans qu'on ne prend plus d'anciens. Non, on aurait pu reprendre plein d'anciens à des moments qui nous auraient fait du bien, on ne les a jamais repris. Donc, arrêtons de croire que ça ne marche pas. Essayons justement, à un moment il faut reconstruire le club, on se plaint qu'il n'y ait plus d'âme, qu'il n'y ait plus de 6, qu'il n'y ait plus de là, reprenons justement des mecs qui connaissent ce club, qui y ont grandi et qui peuvent y apporter quelque chose et permettre à d'autres joueurs comme eux de se développer dans ce même club et de devenir des joueurs qui vont compter pour cette équipe. On verra, ça sera peut-être le projet que soumettra Gérard Lopez. Avec un peu de 109 quand même aussi, un petit peu quand même, un petit peu de 109, un petit peu de fraîcheur dans tout ça. Ouais, je rigole quand je dis ça sera peut-être le projet parce qu'on est sûr que ça sera jamais ça. Hein. Non. Tu crois pas là, Nico. C'est vrai que tu nous. Non, j'arrive pas à y croire. Je suis pas. Bon, on est sûr. Non, on est sûr de rien dans la vie. Mais bon. Non, c'est pas. Bon, messieurs, Jackson Porozo qui était Boavista qui signe à l'Estac. Ah, putain, voilà. On n'a même plus notre filière, hein. Pardon, portugaise, mon Dieu. Qui marchait du feu de Dieu cette année. Le City Group est arrivé. Sur ça quand même, ça fait chier. Il aurait... Alors, s'il était arrivé cette saison, il aurait été trop. Il n'avait pas encore connu, je crois, beaucoup de matchs dans le championnat portugais ou dans les grands championnats européens. Ça aurait peut-être été un peu trop fragile pour cette saison, surtout quand tu vois le contexte des journées actuelles. Le pauvre, il ne s'en serait pas sorti, à mon avis. Donc, il a bien fait de rester à Boavista. 3, pourquoi pas. C'est un bon tremplin. En plus, tu as le. T'as City qui est là, donc voilà, c'est pas un hasard non plus. Donc, mais c'est un joueur qui a un gros potentiel, mais à voir ce que ça va donner. Je suis pas certain qu'il soit titulaire d'entrée à 3, hein, moi pour moi. Il va falloir laisser passer quelques mois. Ouais. Bon, messieurs, on va se quitter. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Adieu la Ligue 1. Gino. Non, mais. Vivement qu'on ait un projet solide et qu'on puisse vivre de belles émotions, en tout cas, même si on ne remonte pas de suite, qu'il y ait de meilleurs moments à vivre, ça serait pas mal parce qu'on a vécu pas mal de moments très difficiles ces dernières années quand même. Moi, les gars, j'en profite pour vous remercier, hein, tous les trois. Bon, Cédric aussi, mais surtout tous les trois pour tous les talks qu'on a fait toute cette saison. Hein. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à toi. Toujours au rendez-vous. Merci, Nico. Merci à tous. Et surtout vous, toujours au rendez-vous, toujours présent avec des analyses, des coups de gueule, des coups de cœur. Moi, j'ai toujours passé un bon moment. On s'est démarré aussi. Il n'y a pas un temps que je suis sorti. Vous avez aidé à des moments à subir cette saison. Ouais, Et heureusement qu'il y a eu tout le monde et que ça a fait beaucoup de bien. Voilà. Il y a beaucoup qui nous disent qu'on est les psys un peu du lundi soir avec la séance psy des supporters girondins et franchement ça a été le cas pour nous aussi et d'avoir des échanges ça a beaucoup aidé à passer cette saison parce que je redis moi depuis le stade en tout cas en plus en allant au stade c'était vraiment très difficile à vivre. Non c'est pas fini, il y aura tout l'été au moins deux émissions jusqu'à fin juin et en juillet il y aura des émissions aussi, il y aura toujours une émission le lundi, une le jeudi, grand angle jeudi avec Viviane Asseyi. Vivi Asseyi, l'ancienne bordelaise internationale française qui a joué au Bayern Munich. Là, elle vient de quitter le Bayern. Donc, elle sera en direct jeudi soir avec l'équipe du Grand Angle, Antoine et Philippe Etchemendi, notamment. Qu'est-ce que je peux rajouter? On a des chanteurs aussi. Vous avez vu Secta, il y a eu Gino et Secta maintenant. On a eu Gino qui a eu beaucoup de succès la semaine dernière avec ta chanson sur le trading. Voilà, énorme succès. Voilà. Est-ce que vous voulez l'écouter? Oh, bah, ouais, c'est putain, oui. Non, mais ça, oui. Ça, oui. Ah, oui. Avec Secta,
Bordelais un jour, Bordelais toujours. Mais avant, on va quand même. La future compil web Girondin est en route. Ah ouais, voilà. On va quand même. Écouter, lourd, hein. Jogo écouter, Bonito va... Production présente. Pour financer le projet Socios. C'est ça, exactement. Attention, c'est parti. Dans mon club de trading, Lopez. Le lundi, il y a futsal. Le lundi, il y a futsal. Le mercredi, chicha. Le mercredi, chicha. Le week-end, ça joue pas. Le week-end, ça joue pas. Dans mon club de trading, Lopez. Des mercato, il y en a. Des mercato, il y en a. Tic-tac, tic-tac, comme ça. Tic-tac, tic-tac, comme ça. Moucron est au plus bas. Moucron est au plus bas. Dans mon club de trading, Lopez. Et bien voilà. Et là maintenant, on va... bravo Gino pour ta chanson. Merci, voilà. Bonjour. Merci à tous. Toujours avec, avec humour. Messieurs, merci. On va se quitter avec la chanson de Secta qu'on salue. Bon succès. Samuel a figé, je me disais, il bougeait plus. J'étais là, il fixe son écran. Il a été choqué par la chanson de. Et... Ouais. Ça doit être. La frise, quoi. Très bon. Allez, on se quitte avec Secta. Merci Cédric, merci Joe, merci Gino. Merci pour Secta, n'hésitez pas à envoyer vos photos, vos vidéos pour illustrer le clip non officiel. Bordelais un jour, Bordelais toujours. Attention, vous allez l'écouter, vous l'aurez en tête pendant au moins deux jours. Après l'avoir écouté, vous verrez, ça rentre bien dans la tête. Il a clamé son amour des Girondins de Bordeaux. C'est parti, bonne soirée. À bientôt, ciao. Bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce talk. On se quitte maintenant avec le générique des socios. Merci à Secta. Si vous voulez
illustré le clip officiel, non officiel, pardon, pas officiel, non officiel de Secta. Envoyez vos photos, vos vidéos. Il y a le lien sur la page Tipeee des sociaux. Allez, salut et à bientôt. Merci. Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it. Till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast.